versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Prions le Seigneur pour la parole de Dieu. D'entrer en communion avec toi. Nous venons, Seigneur Dieu, implorer ta miséricorde sur ton peuple, sur nos vies et sur notre service de ce jour pour obtenir ton pardon, ta grâce et la communion. Et bénis la parole que nous avons lue et parle-nous, instruis-nous pour la gloire du royaume éternel. William Marion Branham. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour le temps qu'il nous accorde encore aujourd'hui ici au temple pour l'adoration. Nous savons et nous le disions souvent que la vie humaine terrestre est un don de Dieu, et par sa grâce il y a un temps limité pour chacun de nous. Et nous avions dit ça plusieurs fois que nous devons arriver à un moment, surtout les croyants du message, à non seulement d'une manière théorique apprendre sur ce qu'est la mort, ou le dire dans la bouche seulement, bon, la mort est un gain, la mort est un gain. Ce qu'on dit souvent, ce qui est bien. Mais nous devons arriver à un moment où nous devons comprendre que ce n'est pas juste un gain, un slogan, mais la mort, c'est un fait réel. C'est un fait réel qui fait que
pour les croyants, ils ne pensent pas forcément que quand quelqu'un meurt, c'est Dieu qui est en train de le frapper. Dieu a frappé l'homme de la mort depuis la Genèse, quand il avait prononcé le jugement sur Adam, en lui disant, désormais, tu retourneras à la poussière où tu as été tiré. Donc, à partir de ce jour-là, l'homme est déjà maudit dans le fait qu'il est obligé de mourir. C'est-à-dire, dès qu'un homme est né sur cette terre, le même jour où il est né, c'est le même jour aussi où la mort a été écrite sur lui. Le problème est que le jour où cela arrive appartient à Dieu, soit parce que son programme est fini avec, soit le diable contrôle l'homme et l'enlève prématurément selon des raisons, une raison ou une autre. Donc du coup, pour nous les croyants, on ne devrait pas s'affoler par le fait que le décès ou la mort vient ou existe. Mais nous avons toujours compris une chose. Et Frère Branham a dit, faites vos projets comme si vous vivrez plus longtemps possible, mais vivez une vie proche de Dieu, comme si c'est maintenant où vous devez être appelé pour partir. Alors là où ça fait mal, c'est le fait que on puisse, par exemple, faire des prophéties pour beaucoup de grands leaders dans les messages. Ça fait un peu longtemps. Il y a un qui a dit qu'il n'y a pas de mort physique qui devait aller vivant dans l'enlèvement en Inde là-bas et puis plus tard. Il est décédé en Amérique. On en a eu aussi un autre mouvement, un leader d'un mouvement qui a dit qu'il ne devait pas mourir. Puis après, parce que quand ils disent qu'ils ne doivent pas mourir, ce n'est pas parce qu'ils croient que le croyant ne meurt pas, non. Quand ils le disent, ils précisent bien que je ne meurs pas parce que je dois aller dans l'enlèvement vivant. Vous voyez, là, c'est compliqué. Nous autres, nous disons, Dieu peut nous garder le plus longtemps possible pour aller dans la bombe atomique. Mais ils disent qu'ils doivent aller vivant dans l'enlèvement. Parce que justement, ils ne croient pas que l'enlèvement a déjà eu lieu. Oui, maintenant, quand ces choses-là n'arrivent pas, quand on a le serviteur fidèle qui est l'intendant de Dieu, que le Seigneur doit rémunérer à son retour, puis après, le retour n'est pas encore arrivé, le serviteur quitte la scène, on n'a pas demandé de compte. Vous comprenez les faillites des doctrines humaines. Amen. En quelque sorte, c'est la preuve que Dieu n'est pas dans toutes ces choses-là. Ce qui fait qu'à notre niveau, nous ne nous donnons pas le devoir ou la tâche de dire aux gens que l'âme repose en paix, que l'âme repose en paix. Non, ce n'est pas ça le problème. Parce que pour nous, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'âme qui va pour se reposer en paix là-bas. Quand vous êtes ici, si vous quittez ce monde ici et que vous n'avez pas la vie éternelle, alors, c'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, ce n'est pas, ça n'a rien à faire avec votre âme. L'âme de tout un chacun est conçue pour l'éternité. Sa mort, ce n'est que quand il s'éloigne de Dieu. Mais dès qu'une âme reste attachée à Dieu, elle est déjà éternelle. Et même quand elle s'éloigne de Dieu, elle ne meurt pas instantanée. Elle peut encore faire même un milliard d'années si Dieu le laissait faire. Parce que c'est un truc qui est une partie de Dieu qui ne connaît pas de fin. C'est le corps humain qui a un début et une fin, justement, depuis qu'il y a eu la maladie. Et aussi parce que le corps humain, c'est quelque chose qui a été créé. Et tout ce qui a un commencement a une fin. Mais l'âme n'a pas de commencement. Parce que l'âme est une partie du logos. Et le logos n'a pas de commencement, la théophanie de Dieu. Donc le corps humain qui a un début et une fin, c'est lui, quand on dit il faut avoir la vie éternelle, en d'autres termes, il faut que Dieu enlève sur ton corps humain
la malédiction qu'il avait placée dans le jardin d'Éden quand il avait dit à Adam, tu es tiré de la poussière, tu retourneras à la poussière. Donc par la rédemption, c'est-à-dire le rachat, c'est-à-dire l'homme ramené à l'état premier avant cette malédiction-là, son corps est maintenant admis à vivre sans jamais périr. C'est ça la vie éternelle. Maintenant, le problème est que pour que ton corps, mon corps, notre être retrouve le premier état avant le péché, Dieu a fait de sorte que la formule soit le fait que vous puissiez quitter votre corps actuellement dans ce qu'on appelle la mort. Par les décès, par les médecins, mais à ce que nous on appelle le changement des cycles de vie. Selon la parole, avec le phénomène de la chenille. Amen. Donc ce changement fait que tu retournes, tu quittes ton corps terrestre de ces éléments et tu te retrouves dans le même corps terrestre de ces éléments, mais glorifié à l'instant T, sans jamais aller quelque part s'asseoir et attendre. Amen. Quand tu as acquis ça maintenant sur la terre, tu peux dire, je suis maintenant en paix. C'est-à-dire, je suis assuré. Amen. Et c'est ce qu'on recherche avec la parole de Dieu, l'Église, comme nous venons, comme nous adorons. Amen. Donc, chacun de nous doit savoir qu'est-ce qu'il cherche. C'est ça qu'on appelle le couronnement. C'est ça qu'on appelle l'héritage pour le croyant. C'est ça qu'on appelle la robe blanche ou le vêtement blanc. C'est ton corps sur lequel Dieu enlève la malédiction. Et une fois la malédiction enlevée, les rudes, la mort, les chagrins, tout part, tu retournes dans l'état éternel. Et cet état doit être acquis ici sur la terre avant que tu puisses quitter le monde. Alors, ce n'est pas le fait que tu as quitté qui fera maintenant que les choses deviennent douces pour toi ou amères. Non, tout dépend de la manière que tu as traité la parole quand tu étais ici sur la terre. Amen. Si Dieu devait sauver tout le monde parce qu'ils ont travaillé dur pour lui, personne ne sera perdu. Et du coup, l'écriture de Jésus, plusieurs viendront à mon nom, diront... J'ai fait, et j'ai l'air duré, je ne vous ai jamais connu. L'écriture là ne pourra pas travailler. Parce que justement, chacun qui viendra montrera à Dieu combien il a été fort ou ceci, cela pour lui. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Donc ça ne doit pas être ainsi. Il y a des révérends, des anciens que nous connaissons bien, qui pourront bel et bien aller en enfer, malgré leur grand temple. Et il y a d'autres qui seront sauvés, on ne sait jamais, c'est un secret absolu de Dieu. Alors, mais nous, quand les gens meurent, on peut juste avoir une pieuse pensée envers eux. Le bon souhait est fait à tout être humain, qu'il soit croyant ou non croyant. Mais quant à définir là-bas qui est, qui c'est pas nous, mais la parole a déjà défini. Donc si moi je te vois, la parole dit un faux prophète, voici ses signes. Et le signe là s'accomplit dans ton ministère, même si tu as un gros tabernacle d'un million de croyants, je sais que toi tu es perdu. Et je n'aurai pas pitié pour toi, oh, parce que tu as des futilités. Amen. Ce n'est pas nous qui définissons. Ça, c'est la parole qui a défini. Et la parole ne change pas. Donc, les gens doivent faire des efforts quand ils sont vivants, quand ils sont ici. Ce n'est pas manipuler, dire de mauvaises choses contre l'adoration, contre la parole, contre William Branham. Puis après tout ça là, et le jour de la mort, on dit non, maintenant Dieu va voir que non, on est vieux ou bien on est ceci. Non, non. La mort doit atteindre tout un chacun. Chacun selon son jour. Ce n'est pas une punition. La mort a déjà été punition dans les jardins d'Éden. Amen. Amen. Amen.
Nous prions seulement que Dieu nous accorde la grâce pour qu'on vive un peu plus longtemps. Mais aussi, quand tu vis un peu plus longtemps, sache qu'est-ce que tu es en train de faire. Parfois, tu ne profites de rien même de la vie en question. Parce que toute ta vie passe dans les plaintes, dans les plaires, dans les tourments. Et après, tu... Maintenant, où est la différence? À quoi sert même de vivre? Vous voyez, donc, chacun de nous doit profiter au maximum toutes les opportunités et apprécier la vie. Amen. Dans le temps présent. N'est-ce pas, frère Toti? Yeah. Yes. Amen. 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 Je vais être content. Vous devez vous réjouir. Amen. Rejoice. Et vivre la vie au temps présent. And live our life at the present time. Et bien faire tout ce que tu es censé faire. And do correctly what was sent to do. Correctly. Amen. Amen. Quand il faut manger, bien manger. When you want to eat, eat correctly. Habillé, bien habillé. Dress yourself correctly. Tout ce qu'il faut faire. All what you must do. Et les plans, les programmes de Dieu, fais-les bien. Do correctly the plan of God. Ne fais pas les choses comme si tu auras le temps demain. Yes, don't do things as you get time for tomorrow. C'est ça qui est mal. It's what is parce bad. Que demain ne t'appartient pas. Tomorrow don't belong to you. Tu ne sais même pas quand ça viendra. You don't know what will happen tomorrow. Donc vivez au temps présent. Live at the present time. Amen. Amen. Et soyez contents, ayez la joie. Be happy. Be joyful. Si tu n'as pas la joie, je t'en auras quand? If you are not joyful today, when will we be joyful? Parce que la vie est limitée. Réglez bien le volume de ces micros importants pour l'anglais. Donc voilà un peu notre point de vue. Ah, this is our point of view. Donc les amis de Koweït doivent beaucoup réfléchir. So our brethren from Koweït must think a lot. Je causais avec un frère de l'Afrique du Sud là-bas. I was chatting with a brother from South Africa. Plus tard que jeudi. No later than Tuesday and Thursday. Souvent, il me pose le frère Arsène que nous connaissons bien. The brother Arsène, we know. Et il sait, on échangeait sur quelques préoccupations des antitonnerres qui l'attaquent souvent. We were wondering concerning some preoccupation of anti-thunders and some over tendencies of the message. Et je lui dis, voilà, c'est comme ça qu'ils font. Et on va encore voir comme serviteur fidèle, on verra si le jugement et l'enlèvement vont arriver, Jésus va les trouver où. Ça c'est jeudi, hein? C'est jeudi ici. I was talking about a brother of South Africa just last Thursday. He was talking about South Africa. South Africa. Mm-hmm. About on Tuesday talking about the rapture, what will happen concerning some drug things, and just last Thursday. Et voilà, samedi, ça arrive aussi. Oh, this is the event is happening just on last Saturday. I said, oh. Et il ne faut pas commencer à justifier. Don't try to justify. Non, l'enlèvement dont on parlait là, c'était l'enlèvement spirituel. Non. The rapture we're talking was spiritual. Oh, yeah. L'avenir là, c'est l'avenir spirituel. Oh, the coming is a spiritual coming. L'avenir spirituel, tout le monde croit que c'est accompli quand Frère Branham est sur la terre. Spiritual coming, all of us we know it happened. When William Branham was up in heaven. Mais tout le monde attendait l'avenir physique. Everybody was waiting for physical coming. Et c'est là dedans où ils savent que c'est l'enlèvement. And is the place all of them know that is the rapture. Et c'est là où ils disent aux gens, nous on ne mourra pas, on ira vivant dans les enlèvements. Is the place they say we will never die, we'll go alive in the rapture. Et si cela n'est pas arrivé, donc tu as menti. C'est pas un vrai esprit. It did not happen, so you lie. Amen. It's not good spirit. Si tu dis ainsi, dis le Seigneur. If you say, the Lord, moi, je ne mourrai pas. I will never die. Puis après, tu meurs. And after you donc, die, tu as fait une fausse prophétie. You made a false prophecy. C'est simple comme 1 plus 1 égale 2. Simple, like 1 plus 1 are 2. Donc, en disant ça, on ne veut pas dire tu es perdu. Non. Telling, on ne sait pas. Saying so, we don't mean you are lost. We don't know. Le problème est qu'en disant ça, on dit seulement que ta prophétie n'a pas marché. Your prophecy did not work. Yeah, brother. Amen. Amen. Bon. Ou bien, la prophétie n'a pas marché. Your prophecy did not work. Donc, si un prophète fait une prophétie, if a prophet
make a prophecy. Peu importe qui il est, no matter who he is. Si cela n'arrive pas, if this does not happen, la Bible dit n'ayez pas peur de lui, c'est un faux. Amen. C'est la Bible qui a dit. The Bible said so. Non, mais on est étonné de voir les gens. Les gens font de fausses prophéties. We are surprised to see people making false. Peut-être aussi de bonnes. Maybe good ones. Mais quand ça se mélange, Dieu n'est pas dedans. When it is melt, God is not inside. Si Dieu est dans un prophète, if God is in one prophet, chaque fois qu'il ouvrira la bouche, each time it opens his mouth, pour dire Dieu a dit. Say God said. Cela arrivera tel qu'il a dit là. It will happen the way he said. Si une seule fois, it's just one time. Il fait une prophétie sur 10,000 prophéties. He makes one prophecy concerning upon 10,000. S'il fait une qui est fausse, if just one is false, il est un faux. One false prophet. Est-ce que vous suivez? 9,900 sont bonnes. 9,999. One, seulement ou deux ou dix sont. Just one. Dieu n'est pas avec lui. False. This is not with God. Sauf les gens qui exercent les dons de prophétie. And these people exercing gift of prophecy. Parce que les gens qui exercent les dons de prophétie, Dieu peut people, les utiliser, God tout comme le diable peut les utiliser. As well as the devil. Vous ne pouvez pas mettre un peu de volume. Et là, quand ils sont comme ça, when I read like this, ça fait que aujourd'hui Dieu peut venir, tu vas dire ainsi dit le Seigneur. Today, God, et ça arrive parfaitement bien. God may dwell in them and say, "Thus says the Lord, and this which perfectly." God. Un autre jour, le diable peut venir sur lui dire ainsi dit le Seigneur, et ça n'arrive pas. Another day, the devil can come and bump into this guy and say, "Thus says the Lord." C'est pourquoi dans l'église il y avait des juges, des prophètes là. The reason why in the church, there les were gens judges. Qui font des prophéties dans l'église, femmes comme garçons. Women as men, there were judges to mais quelqu'un qui dit moi je suis prophète au nom du Seigneur, Dieu a dit ça. Si un échoue, tu es un faux. Somebody saying I am a prophet. God said if just one is false, you are false. C'est pourquoi nous on ne s'aventurise jamais dans ces histoires là. That is the reason why we never go in these stories. Never. Ainsi dit le Seigneur, moi je suis prophète, je vous dis hey. And the reason why I say prophète, I say hey. Nous on peut pas faire ça. Jamais. Et même si Dieu m'a révélé quelque chose, if God even got revealed, j'ai même peur de le dire parce que j'ai peur que ça échoue. I'm afraid to reveal it because I'm afraid. Les gens sont audacieux, n'ont même pas peur. Yeah. People are audacious, they are not afraid. Moi, je préfère lire mes écritures, I expliquer ce que j'ai compris. And try to understand. Priez le Seigneur et dit aide la personne là, s'il te plaît. Pray the Lord and say, oh Lord, help that person. Mais affaire de haut, Dieu m'a dit, je suis prophète, alléluia. But il n'y a pas ça avec moi. Concerning the way, hey, God said me, I'm a prophet. No way. No way. No way. Je ne peux pas risquer ma vie à ce niveau-là. I can never risk my life to risk. Je disais level. Même à Sœur Rose, je préférerais encore qu'on m'arrête quelque part, même dans, je sais pas, un hôtel ou je ne sais pas, ou bien en train de boire, que je suis tellement roulé par terre dans un péché, que venir à la chair, faire des fausses déclarations au nom de Dieu. Ça, je ne peux jamais faire ça. I thought to my wife, Sister Rose, I prefer. Be caught in an altar or somewhere in a bar rather than coming to the pulpit and challenging God saying in the name of the Lord. Never. Donc, pour le reste là, for the rest, Dieu lui-même s'occupe de ces gens. God himself take care of those people. Mais la mort qui intervient, bon. But c'est naturel, moi death, je ne vois rien de grave quoi. Is natural. Nothing wrong is. Vous savez déjà compter le nombre de gens qui meurent par jour dans le monde entier. Have you ever count down the number of people dying each day in the world? Bon, vous pouvez peut-être, c'est parce que vous ne le connaissez pas. It's because you don't know the number. Et ce sont les gens de certaines des églises aussi qui there existent. Are people of certain church in existing. Donc ce Dieu ne les aimait pas quand il les tuait, quand il mourait. So, whether aged by God when was dying. Si la mort veut dire Dieu n'aime pas, alors personne ne doit mourir. Il faut enlever ça. Death means nobody is loved by God, so nobody must die. Enlever les idées comme quoi dès que la mort est venue, donc Dieu est en colère. Non, c'est pas ça. Remove idea concerning if somebody is dead, so God is angry. Oh, remove that. Il a dit dans la Genèse, Adam,
comme tu as fait ça, tu es tiré de la terre, tu retourneras à la terre. C'était suffisant depuis ce jour-là. In the book of Genesis, to Adam, as you are come from the earth, you turn back to the earth. It was sufficient. Finish. Okay. Pour gagner le temps, je ne vais pas conduire. Je dois respecter notre time. I want us to respect the timing. So, we'll go straight to the topic. Nous parlons sur le jugement en général. On est presque à la fin de cette série d'enseignements. Le jugement de Dieu sur les péchés. We are talking concerning judgment of God upon sin. And we are just at the end of our studies. Dans le jardin d'Eden. In the Eden Garden. Nous avons déjà vu que la personne la plus coupable dans le jardin d'Eden était le serpent. We have seen that already the most guilty person in the Eden Garden was the serpent. Et nous avons vu aussi que celui qui a subi le plus grand jugement, le premier plus grand jugement. And we have seen already that he was the one who was a victim of the greatest judgment. Parce que le jugement l'a transformé. Because the judgment transformed his bone. Le serpent qui était debout comme un homme. The serpent stand up on feet like a man. Qui parlait comme un homme. Speaking like a man. Qui était à 99% un homme. Almost 99.9% person. Et à 1% bête. 1% beast. Ou encore tout le reste qui pouvait... Bon, oui, oui, à 1% bête, presque. 99% bête. Parce que bête, aujourd'hui, tout comme avant, n'est pas forcément un animal sauvage comme on le regarderait. Animal beast today is not like in the past, a savage animal. Nous sommes informés que l'être humain, c'est une bête. We all have informed that human being is a beast. C'est un animal à sang chaud. A old blood animal. C'est la raison pour laquelle on teste les médicaments sur les animaux avant de les mettre sur les humains. That's the reason why first we test animal before giving medicines to human beings. Parce que l'intelligence des fonctionnements des cellules est presque pareille. Because the intelligence or cell functioning is almost the same. Ça diffère de près à cause de sources de la vie différentes. It's just different, almost a few levels concerning the spring of life, which is different in both. Alors le serpent a été déformé d'un monsieur debout, beau gars, gaillard, intelligent, astucieux, à un reptile cylindrique que nous connaissons actuellement. So the serpent was misformed to a great, beautiful, intelligent person, stand up on feet. To a reptile, we just see everywhere in the wood. Ça, c'est son jugement à lui dans les jardins de Dieu. That is the judgment belonging to him in the Eden Garden. Et à partir de là, on ne parle plus de ça. From there, we never talk about concerning Dieu this. N'a plus rien à faire avec cela. We have nothing to do with this. Ce serpent-là existe. The serpent exists. Il a laissé un chaînon manquant, un vide entre la lignée des animaux et l'homme Adam. Un vide est resté jusqu'à aujourd'hui. And the serpent has left a link between animals and human beings, and that link remains empty until today. Et l'animal là existe, reptile. And the animal exists in reptile. Et nous avons vu le mercredi ou dans la semaine qu'il est aujourd'hui attaché à l'acte qu'il avait commis. And we have seen last Wednesday, or I don't know a time, is bound to the act he was Donc, he done. On peut le retrouver sur un homme. We may find it upon a human en being. En train de manger la poussière. Eating dust. Alors que l'animal même la reptile là est carnivore. Meanwhile, the animal is fleshy. Et nous avons expliqué ces choses là. We explained those things. Donc ça c'est le serpent. This is the serpent. La femme, nous voyons la punition de Dieu sur elle jusqu'à aujourd'hui. Why we see the punishment of God upon women until today? Dieu a dit tu vas dépendre de l'homme. God say you will be under influence of your husband. Et l'homme va dominer sur toi. And your husband will rule upon you. Et tu mettras au monde avec douleur. And you will give birth with pain. Et nous avons vu que ce jugement avait changé la première alliance, c'est-à-dire le premier accord entre Dieu et ses enfants, c'était que l'homme et la femme étaient égaux. We have seen that judgment has changed the level or the first agreement between men and women. Firstly, they were equal. Et tous régnaient ensemble. All of them reigned together. Mais quand Ève est tombée, when Eve fell down, et a introduit le péché avec Adam, introducing sin with Dieu Adam, a baissé Ève. God has laid down. Et à partir de là, l'homme peut maintenant dominer sur la femme. From there, man can have dominion upon his wife. Et Dieu a dit que la femme, ses désirs devaient tourner vers l'homme. And God said
woman's desire will be to a husband. Ce qui justifie naturellement qu'une femme ne peut pas attendre parmi les choses que la femme attend de l'homme, c'est normal que ce soit l'argent. That justifies why women are more waiting money for the husband. Parce que quand on dit ses désirs seront tournés vers lui, when we say a desire will be to her husband, c'est-à-dire que si elle a besoin de manger, elle va dire à l'homme, je vais manger. If she needs food, she has her husband. Si elle veut les habits, elle va dire à l'homme. If she wants clothes, I want. Ses désirs seront tournés vers l'homme. A desire will be to her husband. Donc, ce qui fait que spirituellement, what makes spiritually, une femme qui n'a rien et qui s'attend à tout à son mari, elle n'a pas péché. A woman who are nothing, waiting all for her husband, did not sin. Et nous, dans la société actuelle, on accuse ce genre de femmes. In our society, we just accuse. On dit women, que ce sont des femmes oisives. We say they are lazy women. Elles sont restées à la maison, bras croisés, l'homme se démène tout seul. They remain home with their hand like this. And the husband is searching for. Mais selon la parole, according to the word, la femme devait être comme cela. Women must be like this. C'est-à-dire rester à la maison, staying home, gérer la maison et les enfants, taking care of the home and children, pendant que l'homme est en train de chercher. During the time husband is searching. Parce que c'est l'homme qui est le chef. Is the man the chief? Et les désirs de la femme devaient tourner vers lui. And the desire of a woman must be turned to him. Amen. Amen. Mais quand les deux s'entendent, c'est que les deux travaillent pour pallier les problèmes, il n'y a pas de souci. When both understand or they have a commitment to solve their problem, no problem. Donc ça, c'est le jardin d'Eden. This is Eden. Et nous avons vu qu'Adam a été maudit. And we have seen Eden. Pas maudit, pardon. Il a été puni aussi punished, yes, pour son péché. For his sin. On lui a dit, tu vas travailler. He has been said, you will work avant de manger. Before eating. Et tu vas mourir. And you will die. Et la mort d'Adam death introduit la mort de toute l'humanité. Has introduced death of all humanity. Ce qui fait que tout être humain, chaque astre, tout ce qui existe, a un commencement et une fin. What makes each human being existing has a beginning and an end. Puis on a dit aussi à Adam, and Adam said, à cause de toi, la terre sera maudite. Because of you, the earth will be cursed. Elle produira des ronces et des épines. And the earth will produce thorns and thistles. Et c'est là où nous sommes arrivés maintenant à chercher quelle est cette terre qui a été maudite. It's the place we are reached to know what is that land which has been cursed. Alors si c'est notre terre ici, if it's our common earth, nous avons vu que cela n'est pas bon que ça soit ainsi. We have seen it's not common to be like this. Parce que la terre est une création de Dieu bénie. Earth is creation of God blessed. Elle n'a rien fait pour être maudite. Did nothing to be cursed. Et Dieu sera obligé, and God will be obliged, de racheter la terre et la ramener dans la première condition, sans malédiction. To redeem the earth and bring the earth back to the first condition without curse. Et Dieu, pour trouver solution à ce problème là, and God to solve this problem, il a dû créer une autre terre. He was obliged to create another earth. Amen. Amen. Et cette terre que Dieu a créée s'appelle Jésus. And that land God created was Jesus. Il créa une nouvelle terre dans le sein de Marie. He has created a new land in the womb of Mary. Et quand Jésus est venu sur la terre, Jesus, when he came upon earth, la malédiction que la terre avait reçue a été ôtée et placée sur Jésus. The curse he had received was removed and placed upon Jesus. C'est pourquoi Paul dit, that is what Paul said, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Christ redeemed us from the curse of the cross. Étant devenu malédiction pour nous. Being himself cursed for us. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Because it's written, cursed is the one hung upon a tree. Donc Jésus est devenu la malédiction à la place de l'homme. Jesus has become cursed to replace human being. Il est devenu la malédiction à la place de la terre. He has become cursed on the place of the earth. Vous voyez que c'est ça que je dis, que c'est différent avec la malédiction sur les serpents. That's different with the curse upon the serpent. La malédiction sur les serpents, the curse upon the serpent, c'est un jugement de Dieu qui frappe un être vivant à cause du mal qu'il a fait. It's a judgment of God upon a human being because of the evil he did.
Et quand Dieu punissait le serpent, when God was punishing the serpent, il était en colère contre le serpent. He was angry because the serpent, parce qu'il avait transgressé la parole de Dieu. Because the serpent transgressed the word of God. Amen. Amen. Mais quand Dieu frappe Jésus, when God struck Jesus, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Bible so, for God so loved the world. Il a donné son fils unique. He only begotten son. C'est-à-dire l'amour de Dieu pour l'humanité. The love of God for humanity. Il crée un substitut, un remplaçant dans la malédiction. He creates a substitute, a replacer in the curse. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas comparer Jésus avec le serpent. That make we cannot compare Jesus with the serpent. On ne peut pas dire aux gens. We cannot say to people. Comme le serpent a été maudit. As the serpent was cursed. Et qu'un jour Jésus devient malédiction, il est maudit. And also one day Jesus embraced him. Became cursed, also is cursed. Non, la malédiction existe seulement pour les semences du serpent. So the curse just exists only for the serpent seed. La malédiction existe pour les diables. So the curse exists for the devil. Et alors Jésus, en tant que fils de Dieu, pourquoi il a été maudit? So Jesus, as the son of God, why was he donc cursed? Comme on a maudit Jésus, as he was cursed, on avait maudit le serpent. The serpent was cursed. On avait maudit Caïn. Caïn was cursed. Donc lui aussi est un serpent. So lui aussi est Caïn. He too is a serpent. He too is Caïn. Vous voyez, là maintenant tu conclus la parole selon une théorie d'un village donné. You ça conclude a rien à voir avec la parole. Concerning a theory of your native village. Mais si vous devez bien dire les choses, if you want to tell things correctly, il faut comprendre. Understand? Dans quel contexte Jésus lui est maudit. In what aspect Jesus was cursed? Quand Dieu a maudit Jésus, il dit à quoi? When God cursed Jesus, what was est-ce qu'il a péché? Did he sin? Ou bien c'est un remède pour le péché? Or is a remedy for the sin? Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous parlons de l'antidote. That's the reason why today we are talking about antidote. Avec l'antidote, with antidote, ça va nous permettre, it will allow us, de comprendre au juste qu'est-ce qui s'était passé dans cet acte exactly de la croix. Exactly what happened in the action of the cross. Et nous avons déjà dit une chose. We already say one thing. Quant à ce qui concerne les événements dans le désert avec Moïse. Concerning even in the wilderness of Moses. En parlant du serpent de rein. Talking about the brass serpent. Le serpent de rein n'était pas un être vivant. The brass serpent was not a living being. C'est ce que je disais à mon frère qui est en Angola là-bas. And what I was saying Kamavu, quelque chose comme ça. To my brother in Angola, Kamavu, ouais, somewhere. Il écrivait toujours sur Facebook. He was writing down upon Facebook. Ils ont toujours cette citation de dire Jésus est ce serpent, ce serpent de rein. Is that brass, that brass serpent. Et ils sont très sûrs que le serpent de rein est réel. And real, they are sure the brass serpent is real. Et c'est vraiment comme ça qu'ils croyaient. That was really the thing. Ils pensent vraiment que le serpent de rein est vrai. They think the brass serpent is living. Non, ça là, même un enfant d'un an doit le savoir. Even a child, a 1 year old must know it. Le serpent de rein n'est pas une réalité. Brass serpent is not reality. Le rein que Moïse a fait dans le désert. The brass serpent Moses did in the wilderness. Ce n'était pas un être vivant. It was not a living being. Moïse, Moses, a pris la matière qu'on appelle airain, has taken material called brass. L'airain c'est un métal. Brass is a metal. Un peu comme le cuivre. Like copper. Comme le zinc. Like zinc. Hein, et le cobalt. Cobalt. Il y a des matières dans la terre. We have material in the earth. C'est comme la Côte d'Ivoire qui a aussi le coltan maintenant. Yes. Je te promets ça. Coltan now. Ouais, là il est derrière la RDC avec le coltan aussi. Yeah, on n'est pas DRC avec coltan. Ouais, alors ce sont des matières. Yeah, raw materials. Et raw Moïse material. A pris ça. Moses a taken il that a raw fabriqué material. Un serpent. And he has built up a serpent. Il n'avait pas fabriqué ce serpent pour faire revivre la scène du jardin d'Eden. He has not built up the serpent to make us live again
the sin of the Eden Garden. No. Mais il a fabriqué ce serpent. He has created the serpent. Pour montrer quelque chose qui viendra dans le futur. To show something will come in the future. C'est-à-dire, amen. Qu'il y a une, qu'il y a la quelqu'un, il y a la malédiction. There is a curse. Somebody with a curse. Qui doit être porté dans le futur par quelqu'un. That must be bear in the future by somebody. Et la vraie personne qui est censée porter la malédiction de l'humanité, c'est Dieu lui-même. And the real person says to bear curse of humanity is God himself. Parce que c'est lui qui a donné la loi, n'est-ce pas? He who has given the law. Il crée il met l'homme sur la terre. Put man upon earth. Et il donne les lois. And he gives laws. Il dit tu feras ça. You will do this. Tu ne feras pas ça. No, do that. Si tu fais ça, tu vas mourir. If you do that, you will die. Et le jour où l'homme tombe dans ce qu'il a interdit, and the way the demon falls in what he has forbidden, il est obligé de punir l'homme selon la loi. He's obliged to punish man according to the Parce law. Parce que être Dieu juste veut dire c'est appliquer la loi à la lettre. Be God fair means apply law in letter by letter. Et il faut l'appliquer à tout un chacun d'une manière égale. Each of us equally. Amen. Amen. Le contraire, tu es injuste. The contrary, you are unfair. C'est pourquoi faites attention avec Dieu juste. That is why pay attention with God fair. C'est pourquoi il faut la justice. We need righteousness. Oui, il faut la miséricorde. And we have mercy. Et nous, les croyants, nous allons devant Dieu par la miséricorde. We believe we go before God by mercy. Si vous allez par justice, vous tous, il va vous brûler. If you go by righteousness, you will be Amen. Burned. Parce Amen. Que tous, vous êtes, nous sommes des pécheurs. Oh, we are sinners. Et nous trébuchons d'une manière ou d'une autre. And we stumble. Oui. Anyway. Amen. Amen. Donc, Dieu juste est obligé d'appliquer ses lois à la lettre. God fair is obliged to apply his law letter by letter. Alors, s'il veut que l'homme ne meure pas, if he doesn't want human being to die, s'il veut ramener l'état du monde avant le péché, if he want to bring back the state of the world before the sin, il n'est même pas censé créer quelqu'un d'autre, in our sense to create somebody else, pour que ce dernier porte la malédiction des autres, non. For this one bear the curse of the others. No. Il n'est pas censé ramener l'ancien serpent. In no sense bring back the old serpent. Pour le juger la deuxième fois. Non. Charge him the second time. No. Ça n'a pas de sens. In no sense. Et surtout s'il veut le ramener. Mainly if you want to bring him back. Il est censé ôter malédiction sur lui. It says to remove curse upon him. Yes. Et le serpent qui était reptile va redevenir encore debout. And the serpent reptile will stand upon feet. Et s'il redevient debout, il n'y aura plus de chaînons manquants. If he come on feet, no way have been missing link. Est-ce qu'on est ensemble? Non, on retrouvera le serpent. We find out the serpent. Dans l'état où il était dans le jardin d'Eden. In the state he was in the Eden Garden. Et s'il revient comme ça, if he come back la like malédiction this, est ôtée, n'est-ce pas? The curse is removed, yes. Maintenant, si c'est ça là qu'il va encore ramener à la croix. If it is that, it will bring her to the cross. Maintenant, quand il a fait la première fois, when he did the first time, ça n'a sauvé personne. It saved nobody. Après 6000 ans, after 6000 years, il vient ressusciter les serpents. He want to resurrect the serpent. Il appelle comme vous connaissez là. And they call like want. Et maintenant, il l'amène à la croix. And he bring it back to puis the cross. Il ramène la malédiction sur lui. And he bring the curse upon maintenant, him. Cette fois-ci, ça va aider les gens pourquoi? At what time it will help people? Parce que Paul dit, Paul said, par cette malédiction-là, through that curse, Christ nous a ramenés au rachat. Christ brought us to redemption. C'est-à-dire le prix a été payé. The price has been paid. Mais pourquoi la première fois ça n'a pas payé le prix? Why the first time he did not pay the price? Même serpent, same serpent, même Dieu, same God, même malédiction, same curse, rien n'est arrivé. Nothing happened. 6000 ans plus tard, years on ramène le même serpent. We bring the same serpent. On met sur lui la même malédiction. Put upon the same curse. Et cette fois-ci, Dieu maintenant fait quelque chose. This time, God does something. Et aussi, je vous ai demandé. And I ask you. Pourquoi le créer ce serpent sans le sexe, alors que lui-même est déjà condamné dans le sexe? Why create a serpent without sex, as himself is creating by sex? C'est pourquoi nous avons dit que les frères qui croient les choses comme ça, leur tête ils sont malades. Every other brother believe such thing. They are sick. Amen. Amen. Et c'est quand je dis ça, ils s'énervent. When I said so, they get nervous. Vous voulez qu'on dise comment? What do you want me to say? You are sick. On va dire comment? You are sick. Ah, vous dites des choses, ça ne marche pas. If there is ça ne colle pas. If there is nonsense. Donc Jésus. Jesus. N'était pas le serpent, n'était pas Satan. Non. Was not Satan. No. Mais
Jésus a porté la malédiction. He has bear the curse. Donc ne soyez pas des satanistes. Hein? Don't be satanist. Parce que c'est eux qui développent ces théories là. They are the ones developing that theory. Alors le mot antidote vient du latin, du grec, pardon. Antidote comes du mot from grec. Greek word. Comment on va prononcer ça? Fetouti. Antidote. Anti. Regarde comment ça y est. Antidoton. Yes, antidoton. Antidoton. Yes. Antidoton. Yes, antidoton. Yes. Ok. Ça c'est en grec. This is in Greek. Maintenant, ce qui veut dire contre. Which means against. Against. C'est contre. Against. C'est contre la c'est l'opposé de soit d'un poison. It is opposite of a poison. C'est quelque chose qui a été créé dans les années 135 avant Jésus-Christ. Something created in the year 135 before Christ. Par le roi Dupont. By the king Dupont. Maintenant, il dit à Mithridate. At Mithridate. Yes. Ça sont les inventeurs. These are inventors. Donc c'est une substance qui est destinée. Is a substance destined à neutraliser les effets d'un poison. To neutralize effect of a poison. D'un venin ou d'un virus. A venin or a virus. Donc c'est quand on parle d'antidote. We are talking about antidote. On peut appeler ça antipoison. We may call this antipoison. Ou bien antivirus. Or antivirus. Comme on en a eu ici. As we said, we contre get it. Le corona. Against coronavirus. C'est antivirus. Donc, antivirus. Le virus est là. Virus alors, is there. Vous voulez le tuer. You want to eliminate vous the virus. Vous fabriquez une substance pour tuer le you virus. You create a substance, an antivirus to kill amen. The virus. Amen. C'est ça l'antidote. This is the antidote, yes. Dans la science ici. In the science here. Donc c'est un médicament contre le poison. It's a medicine against poison. Donc quand lui tu le prends, ce n'est pas du poison. When you take of it, it's not poison. Non, normalement tu as été empoisonné. Normally you have been poisoned. Mais là pour te traiter, to treat you, on amène un produit qui est anti-poison qui est dans ton corps. We bring to you another a product which is anti-poison, which is in your flesh. Et c'est le médicament là qu'on appelle antidote. And it's the medicine we call antidote. Et nous disons que antidote ici c'est Jésus-Christ. And we say the antidote here is Jesus Christ. C'est-à-dire un médicament que Dieu a créé pour détruire le péché. A medicine God created to destroy the sin. Parce que le péché c'est du poison. Because the sin is poison. Le péché c'est un virus. Sin is a virus. Amen. Amen. Et cela avait Cela a dérangé l'humanité. And this troubled humanity. Toute l'humanité est tombée dans la maladie du péché. All humanity has felt in the sickness of et, sin. Et Dieu a tant aimé le monde. And God for so il a fabriqué un virus. He has created a virus. Pour que celui qui l'obtient. For the one who gets it. Ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Will never perish but have eternal life. Amen. Yeah. Amen. Maintenant, le problème est que comment on fabrique l'antidote? Now the problem, how can we create antidote? Yes. Prenez d'abord la lecture sur un résumé de tout ce qu'on a dit ici. Just take a summary. We'll take reading si vous lisez dans Il jura par lui-même. Let us take the sermon he swore by himself. Dimanche le 12 décembre 1954. Sunday 12 December 1954. Paragraphe 62. Paragraph 62. Maintenant Moïse a élevé le serpent. Now Moses raised up the serpent. Jésus a dit dans Saint Jean 3, comme Moïse éleva le serpent de reine dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. The same Jesus said in the book of Saint John 3. The same Moses rose up, the serpent in the wilderness, the same, the Son of Man must be raised up. Est-ce vrai? Is it true? En d'autres termes, in other words, c'était la lune par rapport au soleil. That was the moon compared to the sun. Le serpent de rein était la lune. The brass serpent was the moon. Jésus était le soleil. Jesus was the sun. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? C'était l'ombre de ce qui allait arriver. Of what will happen later.
Le serpent d'airain dans le désert, c'était une ombre. The brass serpent in the wilderness was a shadow. Jésus en fit la réalité. Jesus was the reality of this. Eh bien, si la guérison divine était dans le fait d'élever le serpent d'airain, if divine healing was in the way of lifting up the brass serpent, elle doit être dans le fait d'élever Jésus-Christ. The same divine healing must be in the way of raising up Jesus. Car c'est là que ça s'est trouvé. Because it's there we may find it. En effet, tout ce que le serpent représentait, c'était le reflet de Jésus-Christ dans le péché déjà jugé, dans le jugement du vin. All the serpent was representing was the sin of Jesus Christ, represented by the divine judgment. Le jugement divin de Dieu. Divine judgment of God. 63. Mais le jugement divin de Dieu a produit une personne innocente. By the divine judgment of God produced an innocent person. Le péché, the sin, il a porté notre jugement divin. He has bear our divine judgment. Et a pris votre peine. And he has taken your burden. Il a pris vos péchés et votre culpabilité. He has taken your sin and your guiltness. Votre ticket pour l'enfer. Your bill for the hell. Votre ticket pour aller au tourment. Your bill to the torment. Et il les a pris sur lui-même. And he took it upon himself. Et il est mort à notre place. Il a été envoyé en enfer à ma place. He was sent to the hell on behalf of us. Amen. Amen. Et Dieu ne voulait pas qu'il reste là, mais il l'a ressuscité au troisième jour pour notre justification. God didn't want him to remain dead. He resurrected him the third day for our justification. Vous regardez là et dites, Dieu m'a absolument confirmé, je suis justifié. And you look down and say, God justified me exactly. Parce qu'il a ressuscité son fils Jésus-Christ. Because he resurrected his son Jesus Christ. Amen. Amen. C'est-à-dire, à partir de la mort de Jésus-Christ à la croix, Dieu a mis ton jugement, mon jugement, le jugement de l'humanité, le jugement d'Adam sur Jésus. From the death of Jesus to the cross, God put judgment of Eden, your eye, and upon all of us, upon Jesus. Donc ce que Moïse avait fait dans le désert, what Moses did in the wilderness, c'était une annonce en avance. It was an announce in advance. Que Dieu disait à son peuple, God was saying to his people, que non, dans les plus tard dans les jours à venir, later in the coming days, Dieu lui-même allait venir sur la terre. God himself would come upon heaven. Comme Dieu est esprit, as God is spirit, et l'esprit ne meurt pas. His spirit never dies. Mais qu'est-ce qu'il allait faire? What he will do? Il devait créer un corps physique. He had to create a physical flesh. Pour apparaître aux gens de la terre. To appear to people on the earth. C'est ce qui fait que les humains, what may human s'ils being, veulent voir Dieu, if they want to see il God, faut que Dieu prenne leur forme pour qu'ils le voient. God must take the form for them to see him. Si Dieu ne devient pas un homme, if God does not become a l'homme human ne peut pas connaître Dieu. We will never be able to parce know que c'est un esprit. Because God is a spirit. Même un démon, even a demon, s'il n'entre pas dans un homme, if a demon doesn't tu peux pas, tu peux pas le connaître. You never know him. Le démon de l'amour, demon of love, le démon de la guerre, demon of war, le démon de la méchanceté, demon of wickedness, ou de la haine, of hate, ont un sens quand ça devient humain. They are sensible when they become human being. Parce que l'humain est le moyen par lequel les actes de l'esprit sont exprimés. The human being is the way through action of spirit are expressed. Alors, si nous rejetons l'idée que Dieu devienne humain, if we reject the idea of God becoming human, alors là, c'est nous qui sommes un peu des ignorants. We are remaining ignorant. Dieu est obligé de devenir humain. God is obliged to become human being. Et la première fois que Dieu est devenu humain, and the first time God became human c'est being, dans le jardin d'Eden, was in the Eden Garden. Quand il s'est incarné le septième jour dans Adam, when he came the seventh day in Adam. Mais Adam est tombé, but Eden fell, et Dieu s'est retiré, and God came back. Et depuis qu'il s'était retiré, Dieu n'est plus jamais entré dans un homme. And then he came back, he never entered again in a man. Sauf au moyen des dons. And least by the way of Jesus. Pourquoi? Why? Parce que le péché l'en empêchait. Because the sin was rebuking him. C'est pourquoi un homme né par le sexe, on ne pouvait pas l'associer à Dieu. That is why a man born by sex can never be submitted to God. Mais Dieu savait qu'un jour, God knew one day, il faut qu'il vienne terminer ce qu'il avait commencé en Adam. He need to come finish what he started in Eden.
Mais comment il va le faire? How will do it? Alors que le chemin lui est barré par le péché. Meanwhile, the way is blocked by the sin. Et la solution c'est un remède contre le poison. And the solution is a remedy against the poison. La solution c'est d'ôter le péché comme un obstacle sur son chemin. The solution is to remove the sin like a trap upon the way. Et c'est moyen d'ôter le péché. The way of removing the sin. C'est remède anti-poison. The remedy anti-poison. Voilà, ça a été l'homme Jésus Christ. Was the man Jesus Christ. Amen. Amen. C'est Jésus Christ. Jesus Christ était le corps même de Dieu. Was the flesh of Jesus. Parce que c'est pourquoi Frère Balaam dit, ce n'est pas une première, deuxième personne. That is why I say, you know, the second qui person vous a sauvé. La sauve. Il n'est pas une troisième personne qui you vous know a sauvé. Third person that saved. Mais c'est Dieu lui-même. By his God himself. Pourquoi Dieu lui-même? Why God himself? Parce que comme c'est lui qui a émis la loi, as is the one who put the law. S'il ne te tue pas, if he does not kill you, lui-même doit porter sur lui la punition là à ta place. He himself might bear upon him the punishment on your place. Et c'est ce que Dieu a accompli en Jésus. And what God put in Jesus. Amen. Mais comment on fabrique l'antidote? How are we going to create the antidote? Pour fabriquer l'antidote, to create the antidote, l'antipoison, anti-poison, l'antivirus, antivirus, les médecins le savent. Doctor know. Ils prennent les médicaments, they take the medicine, traitant les poisons ou la maladie, the sickness or the poison, et ils mélangent ça. And they melt it avec une quantité de la même maladie là. With a quantity of the same sickness. C'est-à-dire on prend un peu les liquides du virus. We take the liquid of virus. On prend le poison. Take the poison. Plus l'antipoison. Plus the antipoison. On met ça ensemble. We put it together. Et ce mélange là. And that mixture. C'est ce qui va te traiter. Will treat you. Amen. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham dit. That is why I say. L'innocent devient péché. Innocent become guilt, sin. Et vous allez remarquer une chose. And you notice one à thing. Cause de ce que Jésus a fait. Because the action Jesus did. Paul dit Dieu l'a souverainement élevé. Paul say God sovereignly lifted up. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au ciel tout genou. In the heaven all les anges au nom de Jésus. Angel in the name of les Jesus. Humains au nom de Jésus. Human being in the name sous of Jesus. La terre au nom de Jésus. Under the earth. Pourquoi? Why? Parce que c'était une récompense. Because it was a reward. Pourquoi? Why? Parce qu'il a payé le prix. He paid the price. Du péché. Or the sin. Et du coup, nous les humains, and we nous being, devrions lui être reconnaissants. He must be recognizable. C'est pourquoi Paul dit, Paul said, Dieu l'a souverainement élevé. God sovereignly lifting up. Et a exigé qu'il soit adoré. And ask him to be worshipped. A exigé que le baptême soit fait en son nom. Baptized to be done in his name. A exigé que les prières soient faites en son nom. Prayer must be done in his name. Mais Dieu a aussi prévu cela pour un temps. God provided this for a time. Il n'a pas dit que vous le ferez tout le temps. Non. He don't need you do it forever. No. Corinthiens 15 dit. 1 Corinthians vous 15. Vous allez le faire. You will do it. Jusqu'à ce que. Until. Le dernier ennemi de Jésus sera tué. The last enemy of Jesus will be killed. Quand le dernier ennemi de Jésus est tué. When the last enemy of Jesus is killed. Nous arrivons dans l'Apocalypse 10. We reach Revelation 10. L'ange puissant descend. Powerful angel came down. Pour révéler le mystère de Dieu. To reveal the mystery of God. C'est fini avec le nom de Jésus. Praise the name of Jesus. Maintenant remarquez. Notice. Quand nous disons aux frères. When we say brothers. Aujourd'hui. Today. Il ne faut plus que tu pries au nom de Jésus. Don't pray in the name of Jesus. Il est mort pour moi la croix. It's done for me to the cross. Oui, c'est vrai. Yeah, it's true. Baptême n'est plus dans son nom. Baptise, no, in the name. Vous êtes blasphémateur. You are blasphemous. Vous êtes antichrist. You are antichrist. Pourquoi je suis antichrist? Why am I antichrist? Parce qu'il veut faire comprendre they won't understand que comme il est mort à la croix, as he tamed the cross, vous devez toujours l'adorer. Vous devez toujours. You may always worship. Il ne cherche pas à voir si le temps marqué par Paul. They don't want to know if the time dans la Bible, in the Bible, qui devait mettre fin à cette adoration. That put an end to that worshiping. Est-il déjà arrivé ou non? Is it coming or already finished? On ne vérifie pas ça. We never check it.
Et du coup, and at the time, quand ils viennent comme ça, when they come like ils voient Branham, Branham, ils nous entendent parler de Branham. They are watching for Branham. Comme je parlais avec Frère Joamy. It's like I was talking with Brother. Et du coup, ils nous traitent des antichrists. They treat us of antichrist. Ils disent, mais vous ne croyez pas en Jésus. You don't believe in Jesus. Vous êtes en Branham. Yeah, Branham, Branham, Branham. Yeah. Alors ils n'ont pas compris. They don't understand. Que nous, les croyants de Jésus, when they believe in Jesus, nous avons crié Jésus dans ce qu'il avait fait à la croix. We believe Jesus what he did in the cross. Nous avons crié aussi à ce qu'il a promis faire plus tard dans les derniers jours. What he promised to do later in this day. Amen. Amen. Parce que quand vous croyez à, au prix payé, when you believe in the pay price, qui est le rançon, which is the ransom, vous devez aussi croire, we must believe also, à la récupération de ce qui était perdu. To be taking back of what was lost. Amen. Amen. Quand on arrête quelqu'un, when somebody is arrested, quand on arrête quelqu'un par les terroristes, when somebody is arrested by terrorists, ils vont exiger les rançons. When ask ransom, et souvent on ne donne pas rançon comme ça. Hein? Sometimes we don't give ransom. Parce qu'il y a un problème de pam 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 pam. On cherche les intermédiaires. They search intermediaries. On envoie l'argent. Send money. Et reçoivent. They take et money. Et aussi doivent libérer les. They too must set free. Maintenant toi qui as donné l'argent, you that gave the tu money, fais comment? Tu croises les bras, tu restes là comme ça? Are you? Remain quiet like this. Il faut quand tu payes l'argent, when you pay the price, que tu récupères celui qui était gardé. Take back the one. Amen. Amen. Et d'ailleurs, and also, aussi longtemps que le ton frère est dans les mains du terroriste, as long as your brother is in the hand of terrorists, tu fais le deuil. You are making a vision. Tu te lamentes sur les réseaux sociaux. You are lamenting on social media. Le jour où on l'a libéré, the day set free, c'est la fête qui est là, ce n'est plus les pleurs. No crime. Amen. Amen. Mais pourquoi vous avez changé les noms? Why you change the name? Dans les prières. In the prayer. Dans les baptêmes. In the baptism. Dans l'adoration. In worship. C'est parce que because la mission de Jésus est accomplie. Mission de Jésus fulfilled. Amen. 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 Mais en quoi on est anti-Jésus? In what we are anti-Jesus? Et souvent quand les gens viennent au baptême, sometimes when people come to baptism, parfois quand on veut, ils pensent peut-être que ils auront tous les malheurs du monde sur eux. Sometimes when we want to baptize, they think that we have curses. Quel est l'esprit qui va les saisir là? What is the spirit that says? On va dire Branham. On va dire Branham. Non, c'est une douce paix seulement tranquille. It's with peace. Calm down. Il n'y a pas de cérémonie. Oh. No ceremony. Il n'y a pas poudre. No. Amen. Amen. Il n'y a pas poudre. No powder. Il n'y a pas parfum. No fragrance. Il n'y a pas tapis rouge pour prier comme ça. No red carpet praying like this. Il faut mettre la tête par terre. Put your hand down. Non, c'est pas ça. No way. Il no faut way. Répéter, je vous salue autant de fois. Hey, non, il n'y a pas repeat, ça. Hail Mary. Amen. No. Il y a juste une conviction. That's strong conviction. J'ai dit, je veux ça et c'est fini. Then I want this. Finish. Amen. 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 On arrête bien, on continue. C'est malade, les machines sont malades. Parce que moi-même, mon micro là, il n'est pas fort. Je ne sais pas pourquoi. Ça me force à vouloir crier. Prenons les sermons, les eaux de séparation. Prêcher à Chicago. Letter de sermon, water of separation. Vendredi le 21 janvier 1955. Friday 21st January 1955. Lisons maintenant sur l'antidote. Let us read now upon antidote. Okay. Paragraphe 8. Paragraph 8. Il vous faut avoir l'antidote. We need to have antidote. Vous avez entendu les vieux adages. On guérit la morsure du chien avec les poils du chien. We have heard concerning the old refrain, we kill the bite of the dog si un chien t'a mordi, if a dog bite you, tu prends le chien là, you take all tu the hairs, coupes son poil là, you remove his hair, tu mets sur la plaie, you put upon et the one, la plaie est guérie. And the one is cursed, is cured. Et voilà, dit, vous avez entendu ça? And said they have eh bien, this, c'est vrai. That's cool. C'est parce que c'est une partie du chien. Because it's a part of the dog. La même chose s'applique. The same is applied. Il faut, si le péché est venu par la mort, if the sin has come by death, il faut la mort pour lutter contre le péché. We need death to
Fight against sin. De quelle mort? Which death? Quelle est la mort qui doit lutter contre la mort? Which death must fight against? Et c'est là où ça demande encore l'intelligence. It's a place we ask for intelligence. Parce qu'un prédicateur lit comme ça. A preacher must read like this. Le péché est venu par la mort. Sin came by sin. Ou bien la mort est venue par le péché. Death came by sin. Il faut la mort pour enlever le péché. We need death to remove death. Alors pour lui, for him, la même mort qui a été produite par le péché, the same death produced by sin, revient aujourd'hui maintenant pour produire la vie. Come back now back to produce life. No. On ne comprend pas ce que ça veut dire. We don't understand what it means. Il faut trouver une autre mort. We need to find out another dans death. Laquelle mort il y a l'antidote. In which we get the antidote. Il y a anti-poison dedans. Anti-poison inside. Pour détruire les poisons. To destroy the poison. C'est pourquoi même les médicaments que nous prenons, il y a poison dedans. Even the medicine we take, there is poison inside. Prenez le sermon la perfection. Take the sermon the perfection. Le chef dimanche le 10 juin 1956. Sunday 10 June 1956. Paragraph 21. Il vous avait vu. You have seen. Et il savait que vous vouliez être sauvés. Alors and il you, a. You wanted to be saved, also. Il a alors dit, tout ce que je peux faire, c'est de descendre moi-même. And he said, all what I have to do is to calm down myself. Naître comme un fils. Be born like a son. Ou avoir un corps de chair et devenir comme eux. Or have a flesh and be like them. L'antidote. The antidote. C'est que Dieu lui-même est devenu péché. God himself became sin. Afin qu'il puisse payer le prix. For him to pay the price. Car il fallait la chose la plus élevée. Because we needed the most high thing. Qui soit pour élever l'homme de la condition déchue. That must be to raise up the condition of the deceived man. Et regardez. Look. Il est au-dessus de chaque ange. He also deceived each angel. Chaque archange. Each archangel. Le très haut qui soit. The most high. Est descendu ici sur terre. Came down upon heaven. Il a vécu parmi les hommes. He has lived upon her, il est allé dans la ville la plus basse de l'altitude sur la terre. He has gone in the lowest city by non, la personne qui doit être l'anti-péché, l'antidote. The person must be the antidote. Ne peut pas être une autre personne que Dieu lui-même. Can never be another person like himself. C'est ça qui fait que Jésus-Christ était obligatoirement Dieu lui-même dans la chair humaine. Obligatory God in human flesh. Amen. Amen. Un croyant du message doit croire ça. Message believer must believe. Sans doute dans sa tête. Without doubt in his head. Et quand tu crois ça, tu ne pèches pas. When you believe that, you never sin. Et le fait de croire ça ne te diminue pas d'être un Branham. And the way of believing this don't reduce you to be a Branham. Amen. Amen. Parce que c'est une exacte vérité. It is the exact truth. Emmanuel, le Logos, était descendu. Came down. Le jour où Jean baptisait Jésus dans l'eau. The day John was baptizing Jesus in water. Et Dieu lui-même, le Logos, a dit. God himself, Logos, said. Celui-ci est mon fils bien-aimé. This is my begotten en son. En qui je vais habiter. In whom I'm pleased to dwell. Amen. Et il est entré en Jésus. And he has entered in Jesus. Et il a travaillé pendant 3 ans et demi. He has worked. For 2-3 years and a half. Amen. Amen. Et quand le corps de Jésus est allé à la croix, when the flesh of Jesus went to the quand cross, quand cela mourait, when was dying, c'est Dieu lui-même qui mourait pour son peuple. God himself was dying for his people. Amen. Amen. Et du coup, il n'a envoyé personne d'autre que lui-même. At the time, he never sent anybody else except himself. Et par ça, il a fait le travail de l'antidote. For this, he did the work of the antidote. C'est-à-dire en Jésus, in Jesus, il y avait l'antipoison. There was the antipoison. La substance que Dieu avait créée pour combattre les poisons. The substance God created to fight et the poison. Et le poison même était aussi dedans. And the poison itself was in. Et le poison qui était dedans. The poison which was c'est in. C'est ça qu'on appelle péché. It's what we call the sin. Le poison dans le corps de Jésus, in the flesh of Jesus, c'est ce qui était typifié dans le désert par Moïse quand Moses, il avait fabriqué le serpent de rein when he created the brass serpent, en parlant de Jésus. Talking about Jesus. Donc il projetait l'idée selon laquelle we're projecting the ideas, Dieu God, par son corps by his flesh, qui est anti-péché anti-sin, parce que c'est créé sans sexe it's created without sex, c'est créé sans péché without sin, et dans sa vie
il n'a pas péché. Lion did not sin. Il n'a rien fait du mal. He did nothing wrong. C'est un agneau innocent. He's a lamb innocent. Donc du coup, il est anti-poisson. At the time, he's anti-poison. C'est-à-dire, il est anti-péché. Anti-sin. Maintenant, quand il arrive à la croix, when he came to the cross, on prend les poisons, take all the poison, la malédiction, curse, les péchés, sin, on met en lui. Et ça se mélange. And it's melt. Et c'est ça qu'on appelle antidote. You what we call antidote. Amen. Amen. Où est l'affaire du serpent dans ça là? Where's business of the serpent is? Amen. Amen. Prenez le serment, tenez-vous et vous tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Take the serment, stand there and see the deliverance of the Lord. Chicago, samedi le 29 juin 57. Saturday 29 June 1957. Paragraphe 25. Paragraphe 25. Et quand le plus grand prince qui se soit jamais tenu sur terre était conduit au calvaire comme antidote contre le péché. When the greatest prince we have been in heaven went to the cross of Calvary, il mourut là pour ôter le péché. He du monde. Did there to remove the sin of the world. Et il était blessé pour nos péchés. He was hurt for our sin. Brisé pour nos iniquités. Broken for our iniquity. Et c'est par ses meurtres que nous avons été guéris. From his flock we have been heard. Antidote contre le péché. Antidote against sin. Qui le plus grand prince? Who the greatest prince? Au calvaire. At the Calvary. Prenez le sermon, la parole immuable de Dieu. Take the sermon, immuable word of God. Dimanche le 24 juillet 60. Sunday 24 July 1950. Paragraphe 54. Paragraphe 54. Prenez l'un de ces pharmaciens charlatans qui prendrait ou un médecin charlatan qui prendrait une prescription qu'un vrai médecin a écrite. Take in comparison a witchcraft doctor compared to a real doctor et qui guérit une maladie, and they are healing a sickness, un médecin ou un pharmacien charlatan, and a witchcraft doctor, en retranche quelque chose, is removing something. Qu'est-ce que c'est? What is it? Dans les médicaments, in the medicine, il y a dedans beaucoup de poisons. There are plenty poison. Il y a suffisamment de poisons pour tuer les germes. There are sufficient poison to kill the germs. Suffisamment d'antidote pour l'empêcher de vous tuer. Sufficient antidote to forbid to kill you. Si vous enlevez tout l'antidote, if you remove all the antidote, le poison vous tuera. The poison will kill you. Vous tuerez votre malade. It will kill your sick. Donc il y a une intelligence dans la médecine. There is an intelligence in medicine qui calcule la quantité de la substance anti-poison. That calculates the quantity of such anti-poison. On met là-bas. We put there. Le poison même qu'on mélange, on met dedans. The poison we met, we put et it inside. Ça constitue une dose. And make a doses, qui yes. va te traiter. That will treat mais enfin, madame, si vous diminuez ça, Brother said, if you et qu'il y a plus du poison que l'antipoison, and there is more poison than antipoison, la personne va mourir. The person will surely die. Si vous mettez moins du poison, if you put less poison, plus d'antidote, more antidote, ça ne vous pourra pas marcher. It never cares. Il faut que le calcul soit exact. The calculation might be fair. Amen. Amen. Maintenant, ceux qui sont des charlatans médecins, the ones which are witchcraft doctors, ils diminuent sur la dose. They reduce upon the doses. Ou ils ajoutent plus sur la dose. And they add more doses. Et du coup, l'effet du médicament n'est pas escompté. And the effect of the medicine is not seen correctly. Prenez le sermon, écoutez-le, prêchez à Yakima. Yes, listen to the sermon, listen to him, preach in Yakima. Samedi le 6 juin 1960. Saturday 6 June 1960. Paragraphe 40. Paragraph 40. Donc, si vous prenez une ordonnance, un médecin qui écrit une ordonnance a étudié ce médicament. If you take an ordinance, a doctor who gave you the ordinance have studied the ordinance. Et il doit y mettre du poison pour tuer les germes. He must put inside poison to kill the germs. Il doit y mettre un antidote qui s'interpose de manière à ce que cela ne vous tue pas. He must put inside in the ordinance an antidote the way it will never kill you. Et si certains de ces petits pharmaciens charlatans ou des prétendus médecins essaient de falsifier cette ordonnance, cela tuera le patient. If certain so-called pharmacians or so-called doctors or some small doctors try to change upon the medicine, surely vous, he will die. Vous devez gérer cela tel que c'est prescrit. You must do the way it has been prescribed. Prenez le sermon l'identification. Take the sermon identification.
Paragraphe 45, prêché le 16 février 64. 16 février 54. Remarquez donc, il était plein de péché. 64. He was sin or full of sin. Sans péché. Without sin. Pour prendre la place du pécheur. To take the place of the sinner. Dans l'ordre de l'antidote. In the order of the antidote. Vous devez toujours comprendre. We may understand que always. Si Jésus était l'antidote. If Jesus was antidote. Il doit être au préalable un homme sans péché. He must be firstly a man without sin. Et s'il est sans péché. If he is sinless. Il doit être une semence de Dieu. It must be a sin of God. Parce que c'est les semences de Satan qui sont condamnées. They are the sin of Satan condemned. L'antidote. The antidote. Il était sans péché. He was sinless. Afin qu'il puisse racheter les pécheurs. So that he may redeem the sinners. Dieu s'est exprimé en lui. God expressed in him. Et s'est correctement identifié en lui. And identified correctly in him. Maintenant observez-vous, direz frère Branham. Now look, you say brother Branham. Avez-vous dit que Dieu s'est identifié lui-même? You already said God identified himself. Frère Branham me répond, il l'a fait. He answered, he did it. C'est lui qui était en Jésus. The one in Jesus. C'est Dieu lui-même le créateur. God himself the creator. Et quand le monde adorait Jésus, when the world was worshiping Jesus, il s'était dans les ordonnances de Dieu. There was in ordinances of God. Et cela devait parfaitement bien marcher. That must work perfectly. Mais Jésus lui-même avait prévenu les gens. Jesus himself warned people. Mais que mon adoration, my worshiping, mon règne, my reign, ne sera pas pour toujours. Will not everlasting. Avant que la fin du monde arrive, before the end of time comes, il arrivera un temps où mon règne va se terminer. A time will happen when my reign will finish upon earth. Et que Dieu, God, reviendra encore sur la terre, come back upon earth, comme Emmanuel, de la même manière que je suis ici là. As Emmanuel, the same way I'm here. C'est dans la Bible. It's in the Bible. Et Jésus a dit ça dans le livre de Matthieu. Jesus said so in the book of Matthew. Dans Matthieu 16, il a dit aux gens. In Matthew 16, he said. Quelques-uns de ceux qui sont ici. Some of who you are here. Ne mourront point tous. Never die all of us. Sans voir. Without seeing. L'avènement the event du royaume de Dieu. Or the coming of God. Sur la terre. Upon earth. 7 jours après, 6 jours après, 6 jours après, ce qui fait le 7e jour, il a pris 3 de ses disciples, he took 3 of his disciples, Pierre, Jacques et Jean, Peter, James and John, et il les a amenés sur une haute montagne, and he brought them up a most high mountain, on appelle la montagne de la transfiguration, called the Mount of Transfiguration. Quand il est arrivé là-bas, when he reached there, son visage a changé. His face changed. Amen. Amen. La gloire. The glory. De son deuxième, de son avènement. Or the coming. Voyez, de sa seconde venue. Of his second coming. C'est un visage de Jésus complètement changé. Is the face of Jesus completely changed. Élie et Moïse sont apparus à ses côtés. Elijah and Moses appeared by his side. Amen. Amen. Il annonçait d'avance. He was announcing advance. Que dans les derniers jours. In the last days. Le Fils de l'homme va de nouveau se révéler sur la terre. Son of man will reveal a new upon earth. Et le Fils de l'homme veut dire Dieu. Son of man means God. Qui revient sur la terre sous la forme d'un homme. Coming back upon earth in the form of a human being. Et si aujourd'hui Dieu veut se révéler aux humains. If today God wants to reveal to human beings. Surtout quand on est dans les derniers âges. Mainly when we are in the last dans age. Dans les temps de la fin du monde. By the time of the end of time. Quand Dieu veut se révéler, when God wants to reveal, venir humain, become human il being, va faire comment? What will do? Il ne pourra pas descendre comme un oiseau. He will never come back with like flag, il ne peut pas venir like comme un grand esprit. Bird, like great spirit. Tout le monde va fuir et même les croix. It will run away. Il ne peut pas nous parler par le soleil. He cannot talk to us by the sun. Il ne peut pas nous envoyer par les anges. Parler he never sent by angels or no way. Comment va-t-il venir sur la terre? I will come upon heaven. Il doit naître sur la terre comme un bébé de la même manière qu'il avait fait à Jésus. He must be born upon heaven like a baby, the same way he did to Jesus. Amen. Amen. Parce que Dieu ne change pas son système. God never changed his system. Si pour venir sur la terre et mourir pour toi et moi, if he come upon
have to die for you and I. Il a choisi une matrice de Marie. He has chosen a matrix of Mary. Vierge. Virgin. Et il y a eu un enfant. And we had a child. Et cet enfant fit le corps de Dieu. And that child was the flesh of si God. S'il revient aujourd'hui, if he come back today, il faut aussi qu'il trouve une femme. He must find out a wife. Il va mettre au monde un enfant. That will give birth a child. Et cet enfant va devenir le corps de Dieu. And that child will become the flesh of God. Mais il y a une différence. But there's a difference. Pour Jésus, for Jesus, il fallait trouver une femme sans l'aide de sexe. We needed to find a woman without help of a man. Parce que le man. Sexe est souillé. Sex is dirty. Le sexe est condamné. It's condemned, deceived. Et quand tu es dans le sexe, Dieu ne traite pas avec toi. When you are in the sex, God doesn't deal with you. Amen. Amen. Mais pour aujourd'hui, for today, parce que quand Jésus est venu, when Jesus came, c'est l'antidote. He is the antidote. Et en tant qu'antidote, as the antidote, le jugement du sexe a été placé sur lui. Judgment of sex was placed upon him. C'est pourquoi à la croix, the reason why the cross, Jésus a été déshabillé. He was undressed. Amen. He was naked. Il était nu comme un bébé. Naked like a baby. Ce qu'on met là, c'est pour l'honneur seulement. What we put is just et for honor. Donc il était sans habit. He was naked. Et à ce moment-là, at that time, Dieu montrait à l'humanité God showing to humanity que Adam et Ève n'avaient pas mangé de pommes. Et ils avaient apple. Fait un acte sexuel. Made sexual action. Par le serpent. By the serpent. Et ici, here, l'acte que le serpent avait commis, the action done by the serpent, était jugé dans un corps in the flesh, qui n'avait aucun lien avec le serpent. Which had no way with the serpent. Parce no qu'il link. Est antidote. Because it's the antidote. Donc on a pris le péché du serpent. We have taken the sin of the serpent. On a pris l'innocent. Take the innocent. On a mélangé ça à la croix. We met this in the cross. Amen. Amen. Et une fois que cela est fait, when it's done, Dieu, quand il voudra venir, God, when God will come, il ne va plus fuir le sexe. He never run the sex. Parce que le sexe, c'est sa création. For sex is in amen. Amen. Et il aura droit and he will write que lui-même puisse savoir qu'est-ce que cela fait. He himself know the succession. Amen. The succession. Quand l'humain est en train de raisonner, when be a reason, il pense que Dieu est ennemi. Tu ne peux pas être ennemi de quelque chose que toi-même tu as conçu. C'est toi qui as conçu la chose. God have conceived tu as conçu quelque chose. You have conceived something. Ça devient ton ennemi comment? How it became your enemy? Tu as conçu ça comment? How did you conceive in your mind? Il n'est pas Dieu. You know God. Il a une femme. He has a wife. Il n'est pas Dieu. You know God. Il est... Maintenant, nos pasteurs qui sont devenus de Dieu. Now, pastor, et nos prophètes qui sont devenus de Dieu. Tous nos dads sont de Dieu, non? Ah, our mais brother, ils n'ont pas de femmes. Ils n'ont, pas de, ils n'ont pas de maman. Don't they have mothers? Amen. Amen. René Dieu dévoilé. Take the sermon and unveiling of God. Alors 93. Alors 93. Il devait venir dans une chair humaine. He must come in human flesh. Pour personne sans désir sexuel. For nobody... not sexual desire. En effet, là encore, c'est la preuve yeah. de ce que nous soutenons sur la semence du serpent. It's a proof concerning what you support upon the serpent seed. Voyez-vous, you see? Sexuel, le sexe. Sexual, sex. Absolument. Absolutely. Pas de pommes. No apple. Le sexe. Sex. C'est exact. Exactly. Forcément. Forcely. Remarquez ici, voyez-vous. Notice here, we see. Car n'importe quel brave homme. Any brave man. Regardez ce prophète à l'époque. Look at the prophet in the past. Mais lui, il a fait qu'il soit plus qu'un prophète. He was more than a prophet. Pour pouvoir accomplir cela, to fulfill this, il fallait qu'il naisse d'une vierge. He needed to be born by the virgin. Montrant cette naissance d'une vierge, that birth of a virgin, prouvait. Il fallait qu'il naisse d'une vierge pour ôter la malédiction. He needed to be born of a virgin to remove the curse. Virgil, l'antidote. Antidote. Voyez-vous ce que j'avais dit? You see what I mean? Forcément que c'était le sexe. Firstly, it was sex. Il a prouvé par sa propre venue. He has proved by his real coming. Il est venu pas par un désir sexuel. He has come not by a sexual desire. Mais en naissant d'une vierge. By being born by the virgin. Il a changé de masque. He has changed his mask. Il est passé de Jéhovah à Jésus. He has passed from Jehovah to Jesus. Pour pouvoir accomplir l'œuvre rédemptrice. To be able to remove dans la, to fulfill the redemption. Dans la pièce où il jouait ce rôle, Dieu à la croix. In the piece, he was playing a role.
God to the cross. Amen. 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 Le Dieu que tu adores aujourd'hui, God you are worshiping today, doit être le même Dieu qui est mort pour toi à la croix. Must be the same God. Amen. To the cross. Amen. Il n'y a pas deux. No two gods. Le Dieu que nous adorons aujourd'hui, the God we worship doit today, être le même Dieu de Moïse. Must be the same God of Moses. Il doit être le même Dieu d'Adam. The same God of Adam. Le même Dieu de Noé. Same God of Noah. Le seul problème, only problem, est qu'au fur et à mesure que le temps passe, as the time passing by, il vient vers les humains en changeant des images. He comes to human beings, changes his images. Like this. Au temps de Noé, at the time of Noah, il a une autre image. He had an image. Il s'appelle Noé. His name is Noah. Parce que pour être sauvé, to be saved, il faut croire le message de Noé. You must believe the message of Noah. Même l'arche, even the ark, que Noé a construit, built up the Noah, avec l'intelligence de Dieu. With the intelligence of God. On n'appelle pas ça l'arche de Dieu. Don't we don't call it now ark of God. On appelle ça l'arche de Noé. We call it ark of Noah. Amen. Amen. Non. No. Ce n'est pas l'arche de Noé. You know the ark of Noah. Noé c'est un pécheur. Noah is a sinner. Sauvé par grâce. Oh. Saved by grace. C'est son arche. Is non, ce n'est pas l'arche oh, de Noé. Ark of Noah. C'est Dieu qui agit à Noé. God acting Noah. Comme c'est l'arche de Dieu. Noah is ark of God. Celui qui coupait les bois là, c'est Noé, bien c'est Dieu. The one cutting down the tree. Oh, toi, tu m'as donné l'intelligence. You gave me intelligence. Mais celui qui a fait l'action, c'est moi. But the one making action is me. C'est comme je le dis toujours. It's like moi, je suis footballeur. I'm footballer. Amen. Je suis qui? Je prends quel nom? Drogba, non? Drogba, Drogba. Yeah, Drogba. Drogba. We take Drogba. Souvenez-vous, on a Abidjan. Hein? Yeah, remember, on a Abidjan. We take Drogba. C'est bizarre qu'un Ivoirien puisse parler de Messi très loin là-bas. Drogba. Alors, c'est pourquoi il y a Drogba et Adjangra. Adjangra, c'est petit prénom, le vieux. Yeah, let's take Drogba. Mais maintenant, moi, je suis Drogba. I am Drogba. Qui fait l'entraînement? Who is making training? Qui transpire? Who is sweating? Qui court? Who is running? Jusqu'à le cœur fait mal. Until the heart beating. De tromper vous le sport c'est pas facile hein. Sport is not easy. Football. Football. Vous le voyez avec leur voiture chère. You see in a car. Est-ce que vous, toi tu peux faire ça? Can you play this football? Tu as déjà couru 10 minutes. I will run 10 minutes. Dans le terrain de vous courir, c'est match. In the race. Tu vas, toi-même là, tu vas dire, fais-moi sortir, fais-moi sortir. Hey, make me come out. Nous, on a joué le foot, on sait. We are playing football, you know. Yes. Yes. C'est dur. It's very hard. Et surtout quand on les juge là. Many tu many allais taper comme ça. Toi, tu peux être dans les têtes duquel qui bat la plus bien fait. Toi. You can you be tu as like déjà this? Senti comment l'énergie là quitte les jambes là. Have you tu fais comme the ça là. Ça s'arrête you know. Ici. You make like this. C'est dur. It's very strong, hard. Maintenant, on dit non, non. And we say no, no, no. Il y a fétiche dedans. There's fetish inside. Oh, maintenant, toi, médicament. Là. You fetish. Qu'est-ce que toi, tu m'aides? What qu'est-ce que I toi, made? Tu fais? What are you doing? Comment tu fais pour m'aider? How are you helping me? Tu me stimules? You are ou bien tu orientes mon tir? Are you oriented? You are oriented. Maintenant, quand je vais marquer, là, strike. On va dire que qui a marqué? When do we, I will score the goal. Who scored the goal? Le médicament de drogue va marquer des. The medicine of Drogba scored two goals. C'est ça, hein? Est-ce que c'est ça qu'on dit? Is it what we say? You said Drogba. Amen! L'esprit the spirit disparaît. Disappears. Quand il entre dans un corps, when it enters in the flesh, ce que le corps fait, where même s'il le fait avec l'aide de l'esprit, even that with the help on of the spirit, ne va plus parler de l'esprit. We never speak of the spirit. C'est le corps dont on parle. We are talking about the flesh. Amen. Amen. C'est pourquoi au temps de Moïse, then in the time of Moses, quand Moïse a divisé la mer rouge, when Moses divided, qui avait divisé la mer rouge? Who divided c'est Moïse ou bien Dieu? It was Moses or God. Mais tous les jours ici, every day, depuis qu'on est né, see, we are born, on dit toujours, we always say, Moïse divisa la mer Moses rouge. Divided Moïse divisa la Moses mer rouge. La Bible dit, Bible says, Moïse a été même prêché Moses was prêché dans les temples. In the temple. Parce qu'on lisait ses œuvres. Because his work was mais ce n'était pas lui qui faisait. It was not him doing c'est it. Dieu qui avait fait. It was God who mais did pourquoi it. On attribue tout à Moïse? Why we came out to Moses. Amen. Amen.
Jésus, Jesus, quand il est venu, when he came, il a dit, he said, tout ce que je fais, I'm what I do. C'est pas moi qui le fais. It's not I doing it. C'est le Père qui habite en moi qui fait. Is the Father dwelling in me that does it? Vrai ou faux? Isn't it? Il ajoute, and he said, le Père est plus grand que moi. The Father is greater than n'est-ce I. N'est-ce pas vrai? Isn't it? Mais on a pris tout ce que Jésus a fait. Have we taken on what on he dit, did? Jésus a marché sur les eaux. Jesus walked upon the sea. Jésus a ressuscité les morts. Jesus resurrected. Oh mon Jésus. Oh my Jesus. N'est-ce pas vrai? Isn't it? Amen. Yeah. Bon. Okay. Okay. Alors, cessons l'injustice. Let us stop injustice. Si aujourd'hui, if today, un frère Jacques, Brother James, Branham vient, Branham came, le même Dieu, the same God, qui était avec Moïse, that was with Moses, qui était avec Jésus, with Jesus, il vient en Branham, came in Branham. Amen. Amen. Quand Branham va faire les choses, when Branham will do things, même si il dit c'est pas moi, even say it's not c'est me, c'est Jésus qui a fait, in Jesus c'est did. Jésus qui a in fait, Jesus, même quand il dit ça, even when he said nous, so, quand on va regarder, when we look, on n'ira pas dire aux gens, we never go to c'est pas Branham, it's not Branham, c'est Jésus, it's Jesus, c'est le message de Dieu, it's the message c'est of pas God. Le message de Branham, it's not message de Branham, Dieu malade. Restez dans la logique. Sick. Remain logique. La logique, the logic, de la même manière qu'on avait dit pour Moïse. The same way we said for on Moses. Doit dire aussi pour Branham. You must say the same for Branham. Branham a créé les écureuils. Branham created the écureuils. Branham a révélé les secrets. Branham révélé les secrets. Alléluia. Même chose. Même chose. Amen. Amen. Yeah. Amen. Amen. Et cela ne diminue pas Dieu. Dieu God est grand is great par toi. By you. Sans l'homme, without Dieu n'existe pas. God never exists. Parce que l'existence de Dieu doit être manifestée dans les œuvres. Man is manifested in works. Un esprit sans la chair n'est rien. A spirit without flesh. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible. That the reason why Bible. Est la Bible des hommes ou de Dieu? Is it from human being or God? Bon, quand on dit Matthieu 15. When we say Matthew. Matthieu, est-ce que Matthieu est Dieu? Is it Matthew God? Matthieu, c'est Dieu. Matthew is somebody like this. Est-ce que Luc c'est Dieu? Is it Luke God? Alléluia. That's right. Yeah. Est-ce Amen. Que ça marche? Is it his aim? Rite, Ruth, la Moabite, Moabitus, une femme païenne, a gentle, veuve, widow, son histoire, a story, son livre, a book. Allez enlever ça dans la Bible. Go remove the Bible. Allez enlever. Go remove. Allez enlever. Go remove. Esther, Esther, une fille juive, a Jewish girl, mariée par un roi païen, married by a depuis gentle. Son problème est devenu la sainte Bible de what, Dieu. At what time a problem became this holy Bible? Et on appelle ça la parole de Dieu. And we call it the word of God. Allez enlever Esther dans la Bible, tu vas voir. Go remove the book. Alléluia. Ici. Amen. Dieu God est connu, is known, il s'exprime, express, il agit, acting, il est grand, great, à travers la chair humaine. Human flesh. Amen. Amen. Bon. Let's go, let's go. Terminons avec ça. Les parents rédempteurs. Dimanche le 2 octobre 60. The case man. Dieu devint homme, 163. Paragraphe 173. Il devait devenir un parent. God became man. Il ne pourrait être Dieu. Nous, des pécheurs de création, de sa création, des êtres créés de sa création. Within us creation, being of his creation. Il ne pourrait être un parent dans ce cas-là. He could never Dieu donc, Dieu s'est donc fait homme. So God became a human being. Pour que l'homme puisse devenir Dieu. For human being to become God. Amen. Amen. Yeah. Nous étant des hommes de péché, we being sinners, Dieu est devenu un pécheur. God became a sinner. A pris sur lui nos péchés, took upon him his sin, n'ayant pas de péché,
not having sin. Cependant, il était un pécheur. Then he was a sinner. Parce que nos péchés ont été mis sur lui. Because our sin has placed upon him. Les serpents. The serpent. On n'avait pas mis les péchés de quelqu'un sur lui. We not put a serpent sin upon somebody. Il a fait lui-même son acte. We never put a sin upon a serpent. Et Dieu l'a maudit à cause de son acte. And God cursed the serpent because of his action. Les serpents de rein. The brass serpent. Dieu est en train de montrer ce qu'il va faire en Jésus quand il viendra en tant que fils de l'homme. God is showing what will do in Jesus when he come as son of man. C'est-à-dire annonçant la venue de l'antidote. Announcing the coming of the antidote. Le mélange de l'innocence avec la culpabilité. The mixture of innocence and guiltness. Amen. Amen. Il devint moi pour que je devienne lui. So he became I for I to become him. Il devint pécheur pour que je devienne fils de Dieu. He became sinner for I to become son of God. Il devint un pécheur pour que vous deveniez fils de Dieu. He became sinner for you to become son of God. Et nous sommes maintenant fils et filles de Dieu. We are now sons and daughters of God. Parce que Dieu fait parent quand il revêtit la forme de notre chair. Because God was made kinsman when he taken the flesh. Our flesh. Et qu'il naquit d'une femme. And was born from a woman. Dieu. God. Pas une autre personne. Not another person. Dieu lui-même. God himself. Amen. Amen. 1 Timothée 3:16 dit. 1 Timothée 3:16 says. Sans contredire le mystère de la piété est grand. Without compromission, mystery of piety is great. Car Dieu a été manifesté en chair. Because God was manifest in flesh. Au commencement était la parole. In the beginning was the word. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. The word was with God and the word was God. Et la parole a été faite chair. And the word was made flesh. Un corps créé dans le sein de Marie. The flesh created in the womb of Mary. Et l'ange Gabriel dit, je vous salue Marie. The angel Gabriel said, Hail Mary. Dieu n'a pas dit ça devient une prière. Non. God never said it became a prayer. C'est une salutation par respect. Is a greeting by respect. Parce que quand Dieu vient vers les humains, il respecte tout. When God comes to human beings, he respects them. L'heure de dormir, il va dormir. The time of il ne va pas dire moi je suis Dieu, je reste éveillé. He never say I'm God, I'll stay awake. No. Si il reste éveillé, il aura mal à la tête. If he remains awake, he will have headache. Amen. Amen. Parce que c'est quelqu'un qui respecte parfaitement ses lois. Somebody respecting perfectly his laws. S'il mange, if he eats, 6 heures après, il aura un problème avec la digestion. 6 hours later, he will have problem with digestion. S'il dort, if he sleeps, le matin il doit brosser. Morning, he has to brush. Il ne va pas dire moi ma bouche sur la bouche de Dieu, ça ne sent pas. Non. He never say my mouth is the mouth of God. Est-ce qu'on est ensemble, mes frères? Dieu obéit à tous les rituels, à toutes les règles. God obeys all the rituals, all the rules. Amen. Amen. Il vient et dit, je vous salue Marie. And he comes and say, Hail Mary. Bonjour. Good morning. Où est le problème? Where is the pourquoi problem? À quoi va bonjour devient prière? Why à quoi va Hail become prayer? Il dit, frère madame continue, il dit, dans la parabole, et les paraboles, cet autre qui avait décidé sur vous, the one decided upon you, était le diable 177. Was the devil 177. Car vous aviez péché, cause you have sinned, et vous lui avez premièrement appartenu, and you belong to him firstly. Vous êtes sa propriété. Yes, his property. Car vous êtes né dans le péché. Because you are born in a sin. Vous avez été conçu dans l'iniquité. You have been conceived in iniquity. Vous êtes venu au monde en proférant des mensonges. Came on world proferring liars. Il ne pouvait pas racheter cela, vous voyez. He could never redeem this. Il ne pouvait pas racheter cela. He could never redeem this. Alors Christ est venu. So Christ came. Et s'est fait homme pour ôter nos péchés. Was made man to remove your sin. Pour nous racheter, les voyez-vous. Him, as you see, mais l'autre homme ne le pouvait pas. But the other man could not. Le diable, the devil, ne pouvait pas mourir pour le péché. Could never die for the sin. Parce qu'il était l'auteur de la perversion. Or was the author of perversion. Et à l'origine du péché, voyez. At the origin of the sin, il see, ne le pouvait pas. Could not simply. Il avait gâché son héritage. He awaited his inheritance. Cet autre type, Satan. That other type, Satan. Il ruinerait les siens. Il va ruiner les okay, siens. He ruin his belongings. Parce que il est un diable. He is a devil. Il ne pouvait pas devenir un autre diable. He could never become another devil. Pour éliminer les diables. To eliminate the devil. Amen. Amen. Les frères.
Les frères satanistes. Our brothers satanists. Les frères satanistes. Our brothers satanists. Qui adorent Satan. Worshipping Satan. En disant Jésus c'est un Satan. C'est un diable. Ou bien c'est un diable. Oh, Jesus, the devil. Mais ils adorent Satan en se cachant derrière le nom de Branham. We worship Satan. I didn't put Je vous donne cette écriture. I give you this scripture. Frère Branham dit, Brother Branham said, le diable ne peut pas devenir le diable devil pour tuer le diable. Devil kill the devil. Il avait déjà vu ces esprits-là. He already seen those spirits. Le diable amène le péché sur la terre. Devil brings sin upon Il a amené la mort, il a amené la maladie, curse, les déceptions, sickness, les deception, chagrins, sorrow, la vieillesse, elderness, les malheurs, les guerres, etc. Il est coupable. He is guilty. Il est condamné. Condemned. Qu'est-ce que Dieu peut faire? What can God Parce que do? Tu as créé ton monde. You are creating a way. Tu avais ton programme. You had your own program. Tu avais une idée. You have your own en idea. En faisant ton logiciel. Making your software. Creating your software. Voilà quelqu'un il a mis virus dedans. There is somebody has il put a tout gâté. Virus in your software. Alors, tu fais comment? All is corrupted. Tu laisses ça? Are you remembering this? Que Dieu laisse ces choses comme ça. God is removing things like this. LGBT, patati patata. And like this. Les occidentaux. Occidentals. Les ceci, les cela. This one, that one. Les terroristes. Terrorists. Les CDAO. And CDAO. Les Union Afrique. Que Dieu laisse ça comme was, ça. African Union. Il va les laisser comme ça. You let it like this. You know, no. You know, no, no. Quand j'avais conçu mon monde, vous n'étiez pas là. When I conceived my world, you were not there. Vous êtes venu vous imposer. You came to force avec your opinion. Toutes sortes de noms sur la terre. Any sort of name upon earth. Des millions de vies et consorts. Million of lives. Vous avez fabriqué Huge. Toutes sortes d'histoires. Created any sort of Facebook, Instagram. TikTok. Vous avez fait trop des histoires. Even the plenty stories. Et dans tout ça là, All this, où est moi ma place? Where is my place? Ne me jugez pas. Don't judge ne me condamnez pas. Don't condemn me. Ne me jugez pas. Don't judge me. Mais vous voulez maintenant la loi on met où? Where are you putting the law? On vit dans les jungles ou bien on vit dans un monde Are we living in jungle or we are living in civilized world? Donc, so, il faut que Dieu pense à comment récupérer son monde. Well, God must think the way to take back His word. Et pour récupérer son monde, to take back His word, il dit à Satan. Etait c'est Satan. Toi qui règnes sur la terre. You are reigning upon earth. Je vais payer le prix. I will pay the price. Pour que tu me ramènes ma terre. For you to bring back Et my Satan earth. Sait Satan que knows. Le prix est dû. The price Parce is que le prix heavy. Veut dire aller mourir sur la croix. The price means go to die to the cross. Être maudit. Because Et Satan savait. Satan aucun knew. Humain ne peut aller faire ça. No human being can do Parce it. Parce que si tu es toi-même dans un puits, comment tu vas faire sortir quelqu'un qui est dans un puits comme toi? If you are in A well. How are you going to vous make somebody come tous, out in the well? Dans ravin, All of you, you are vous in the same well. En prison. You are Mais looking toi to yourself Maka, in jail. Sortir, celui qui comme toi. C'est pas possible. Amen. You are in prison. How are you going to make somebody C'est come out possible. From jail? It's impossible. Voilà pourquoi tous ceux qui sont nés par les sexes, That is all la the people born by sex. Condamné. Bible says, hey, condemn. Vous êtes voués à la malédiction. Hey, you are cursed. Est-ce qu'on est ensemble? Yeah, Il fallait quelqu'un qui n'est pas dedans. Not part of this. C'est là où Frère Branham dit c'était une équation. It's a place where Branham said it was an equation. Et Dieu, en tant que créateur, God as creator, devait trouver une solution à ça. Has found a solution to this. Et comment il a fait? How did he do? Mais moi, je suis capable de créer, non? I'm able to create. C'est là Marie intervient. The way Mary is. Et il descend comme Gabriel. And it came down like Gabriel. Salut Marie. Hail Mary. Tu vas concevoir. You will conceive. Si une fille vierge, I'm a virgin daughter. Ne t'en fais pas. Don't, le Saint-Esprit va gérer. Don't worry, the Holy Ghost will do. Et Marie réagit. Marie react. Amen. Amen. Et Dieu aime ça. God like this. Comme tu as dit, amen. I say amen. C'est fini. It's finished. Et ça, This, Satan ne s'y croyait pas. Satan was not believing. Nous avons lu Frère Branham dit Satan ne croyait pas que Dieu allait faire ça. When we have read problem say. Satan was not believing this God will do it. Cela me fait penser à quelque chose. I'm thinking about something. Vous êtes en guerre. You are in war. Interposé. Yes, face to face. Vous soutenez celui-ci. You are supporting this one. Lui envoie là-bas. He is sending this one. Et ils se battent. And they are fighting. Non, quand vous faites des réunions, you make your pour ajouter les armes sur l'autre, to give weapon to the other, c'est pas propagande.
It's not outspreading. C'est un moyen. It's a way de l'aider to help him à gagner. To win. Maintenant l'autre. The other one. Quand il va, ah. When he says, okay. Donc vous raisonnez comme ça pour you reason like this, me mettre KO. To knock me voici down. Voici maintenant à mon tour comment moi aussi je vais faire. On return, let me pour see riposter the way et réagir à vos à to vos react projets là. To your project. Et vous ne croyez pas ça. And you don't believe this. Vous dites il ne le fera pas. You say he'll never do it. He'll never do it. It is offspring. It is to frighten. Ah. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? I wonder what is happening. Mais vous attaquez quelqu'un. You attack somebody. La personne raison comment réagir. The person reason how to react. Vous dites il fait propagande. And you say il ne fait pas propagande. Il s'apprête pour vous faire face à vous. Et waiting to make face to you. On est dans un état de confort. We are in a state of comfort. Dans lequel on ne peut pas être inquiété. C'est ça l'esprit de l'Empire romain. In which we cannot be troubled. This c'est is une autosuffisance incroyable. Est suffisant autosuffisant. C'est croire dans sa propre sécurité. Believe in your own security. Arriver à un niveau où vous vous dites personne ne peut jamais nous faire du mal. To enable when you say nobody can. Mais la septième vision a vu le contraire. Seven visions have amen. Seen the contrary. Il a vu tout un état en feu. We have seen all a state in fire. A continuer à dire non. Continue to say no. Il ne fera pas. He never do it. C'est bruit. Non. Noise. Il est frais. Non. He is frightened. Vous allez vous réveiller un matin. You wake up one morning. Amen. Amen. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. He persuades the Lord. Vous avez compris, non? Have you? Yes. Vous avez compris de quoi je parle? Yeah. Listen what I'm talking about. Et Satan. Satan. Ne croyez pas que Dieu va aller à la croix. Was not believing God will go to the cross. Recevoir les crachats. Receiving les fouets. Flocks. Enlever les habits. New clothes. Et mourir. Satan ne and le fera pas. It, so le monde est à moi. The world belongs pour to que me. Dieu récupère le monde, God to take il faut qu'il aille à la croix nu. He need to go to the cross 30 naked. Ans, 33 ans, non, il ne le fera pas. 30 years old naked, no. Je règne. I'm ring like this. Mais il a pas, il a vu comme blague. He said like joke. Voilà un Jésus qui s'avance vers this, la croix. Et Jesus went non, to the non, cross. Mais non. Oh. Non, il va pas faire. No, he never do. Il arrive. He comes on to the cross. Met sur la croix. We put on upon the cross. Fait tout. We do all. Il est là. Like this. C'est pourquoi Frère Branham dit. Let me say. C'est ami Satan KO. God made Satan KO. Amen. Amen. Quand on dit Dieu a mis Satan KO. When we say God put Satan KO. Ce n'est pas l'homme là qui est Satan KO que Dieu. You know the man we said is KO. L'acte qu'il accomplit. The action is va deep. Mettre Satan KO. Will put Satan KO. Parce qu'il n'aura plus le pouvoir de tenir les enfants de Dieu. He never had power to hold children of God. C'est-à-dire le royaume qu'il gérait. The kingdom he en dominant sur tout. Having dominion over all. Ça lui sera retiré. Will be subtracted to amen. Him. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui. That the vous today. Dites Satan continue à régner. You say Satan continue non, to hein? Reign. No. Il fait maintenant ce qu'on appelle les comment on appelle ça? On appelle ça les, on appelle ça dans un français dans la rue, on appelle ça non un peu les bon un, pas seulement les bruits mais bon il fait les malins bien fait il fait la tête dure pour rien hein? Fait le boucan il fait le boucan fait peut-être fait le boucan n'a rien mais fait le boucan. Il n'a plus le pouvoir de régner. He has no power to reign. C'est-à-dire, comme il a vu Dieu laisser les choses comme ça, he has seen God, everything il like n'a this. Pas compris que Dieu veut que ses enfants comprennent son programme. He has not understood God want parce qu'il ne peut pas tout arrêter sans que ses enfants comprennent son programme. God wants his children to understand his program. He cannot stop dans without his children understanding his program. Dans le temps où on vous fait voir les castings. By the time we make you see the casting. Le film est déjà fini. The movie already mais, finished. Maintenant, j'ai expliqué à mon peuple les castings. Now God says, explain to my people the casting. Comment j'ai œuvré depuis là jusqu'à aujourd'hui. Doing. Et c'est dans ça qu'on est en train de faire. Hey, here we are doing. Et c'est dans les castings là. And the casting. Et Satan continue à faire les bouquins là. Satan continue to do the bouquins like this. LGBT. Yes, LGBT. Nous qui sommes yes. Comme ça. Hein. Amen. Dieu dit non, attends. Oh, c'est oui. Toi-même, tu sais que c'est déjà fini. You know, it's already finished. Et la preuve que c'est déjà fini, c'est finished. Pourquoi toi et moi, on peut naître de nouveau aujourd'hui. You and I, we can be born again. Amen. Amen. Et la preuve qu'on est, c'est déjà fini. Proof is finished. Dieu est venu dans la chair humaine où il peut faire amour avec une femme. God has come in human flesh. Amen. To make love with his wife. Amen. Amen. Et du coup, and at the time, l'acte qui était malédiction
avant. The action. Même pour aller devant Dieu, even il faut rester trois jours loin de la femme, vrai ou faux? Yes, far from the wife. Aujourd'hui, quand vous allez devant Dieu, vous faites comment? Today when we go before God, vous faites combien de jours? How many days? No day, no hour. Vous vous êtes déjà posé la question depuis quand ça a ôté? Qu'est-ce qui a ôté ça? At what time it happened? La chose qui était sale pour l'homme. Les filles, mais pourquoi aujourd'hui? Why today? Amen. Yeah. Parce que ça a été lavé. Oh, it has been cleansed. Parce que l'antidote a enlevé le poison. The antidote has removed the poison. Comme le poison est enlevé, as the poison Dieu removed, peut maintenant bien traiter avec vous. Tel correct les vies. Amen. Et donc aujourd'hui, today, il peut se marier. Il peut même avoir des enfants naturellement. Dieu. Naturally. Amen. Amen. Ça ne les dérangerait pas. It will never be disturbed. Mais au temps de Jésus, at the time of Jesus, il ne pouvait pas le faire. He could not do parce it. Qu'il faut qu'il reste saint pour aller mourir à la croix. He need to be saint to die to the cross. Amen. Il termine en disant, Christ est venu et s'est fait homme pour ôter nos péchés. Christ came and was made flesh to remove our sin. Pour nous racheter, le voyez-vous? To redeem us, don't you see? Et l'autre homme ne le pouvait pas. Another man could not. Il ne pouvait pas devenir péché le diable pour tuer, éliminer le premier diable. He could never be seen the devil to eliminate the first one. Il ne pouvait pas devenir péché parce qu'il était déjà péché. He could never become sin. He was already the sin. Mais Christ qui était sans péché est devenu un pécheur. Christ was sinless became a sin. Amen. Sinner. 178, le péché impardonnable. 178, unforgivable sin. C'est tout à fait comme lorsque la loi n'était pas connue ici dans la ville. The same as the law was unknown in the city. Ce n'était pas mauvais de brûler un feu rouge. It was not so bad to pass by red light. À moins qu'il y ait une loi contre cela. Unless we have a law against it. S'il n'y avait pas de loi, if there was no law, ça ne serait pas mauvais de rouler dans les rues à 144 km à l'heure. No, so bad to ride in the street at 144 km/h. À moins qu'il y ait une loi sur la vitesse. Unless it was law upon the speed. S'il n'y a pas loi sur une vitesse, if there is no law upon qui the speed, qui va dire si mal fait? Who would do it wrong? Who et nous n'aurions jamais connu le péché, we'll never know the sin, infraction, tout ça, infraction, s'il n'y avait pas eu de loi. If there was no law. Alors quand la loi vint pour magnifier le péché, when the law le manifester, came to manifest the sin, alors la grâce de Jésus vint ôter les désirs du péché. So the grace of Jesus came to remove the desire of the sin. De votre cœur, voyez-vous, from your heart, cela a ôté le péché. This has removed the sin. L'antidote fait que l'humain qui était condamné, the antidote makes that the human being condemned, the sin. L'homme devient parfait. He became perfect. Un saint de Dieu. Amen. A saint of God. Amen. Comme tu es là. The way you tu are. Tu as crié en Dieu. You have believed son God. Esprit en toi. His spirit tu is in es you. Saint. You are saint. Amen. Amen. Et tu causes avec Dieu tout moment quand tu veux. You chat of God with every time you want. Qu'est-ce qui a rendu ça possible? What made this possible? Jésus est mort pour ça. He is dead for this. Ça ne sert à rien. He said nothing. Jésus. Jesus. Pourquoi il est venu? Why pourquoi il est mort? Why is that? Il faut atteindre le but pour lequel la personne était venue. Wait the purpose for what the person is there. L'être le plus élevé dans les cieux, Dieu lui-même, the most being in heaven, God himself, est devenu l'être le plus bas sur la terre. Became the lowest being upon earth. Jusqu'à symboliser les serpents. Savez-vous cela? As he'll be the symbol of serpent, you know it. Jusqu'à jusqu'à ça là on doit aller dans les dialectes de mes frères surtout au Congo là-bas. We put in the dialect of in the language donc, of my brother. On doit prendre certains baffles gros là. You must take on laisse a loudspeakers. Put it to the ears. C'est-à-dire à un moment. Il est vrai, Dieu n'utilise pas les intellectuels. At a certain time, God doesn't use intellectuals. Cela ne veut pas dire que Dieu utilise les bêtes. And I mean God use donkeys, il n'y a stupid pas man. Le premier grand savant du monde, c'est Dieu lui-même. The great wise man of the world is God himself. Il n'y a aucun savant qui dépasse Dieu. No wise man above God. Comment quelqu'un qui a tout créé, vous venez, Dieu sait qu'il a créé, vous le dépassez. How can somebody create something, you say you are physicien, doing la physique. Physician. Oh, laissez mon frère. Remove. Vous êtes déjà arrêté pour voir, pour étudier comment Dieu vous a créé, l'être humain, comment you il fonctionne. Stop to wait. How vous n'êtes pas posé la question, comment il a compris qu'il faut
faire cinq doigts. How do you understand? Pourquoi même il a mis les doigts ici? Vous ne vous arrêtez jamais pour demander ça. Don't you ask yourself this? Vous êtes dans un corps, vous êtes seulement. Yeah, in the flesh, like this. Faut un peu s'arrêter. Stop one day. Et pourquoi s'il n'avait pas mis les ongles? If you had not put my finger. Qu'est-ce que ça l'aide? What will posez-vous un peu de questions. Ask you some question. Pourquoi il a voulu que les hommes aient les barbes? Why he wanted men to get beards? Yes. Amen. Amen. Pourquoi l'eau fraîche? Why fresh water? Pourquoi il a mis ça? Why he put this? Pourquoi il a mis ça? Why he put that? Amen. Amen. Je vous dis toujours, I tell you, si vous allez dans la nature, if you go to the nature, vous n'allez rien corriger. You will correct nothing. Rien. Nothing. L'homme là ne peut rien corriger dans la nature. You correct nothing in the nature. Au contraire, on tout ce que l'homme a fait, all what we did, hein? C'est suyer la nature, n'est-ce pas? It's nature. C'est pourquoi nous sommes les grunes. That is what we are there. Les grunes. Le ver. Les oiseaux. Les vers. Ah, ok. Nous, green, nous sommes green. Les vers. Ah, ok. Vous connaissez les vers? Yes, les grunes. Les vers. Yes. Les protecteurs de l'environnement. Protectors of the landscape. Environment. Vous connaissez les protecteurs de l'environnement, non? You know, the protectors. Les gens qui se battent pour le climat. People fighting for on les appelle les naturalistes. Ils protègent la nature. They are protecting nature. Amen. Amen. Okay. 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 Il est tellement parfait. C'est pourquoi je ne comprenais pas quand je lisais avant Frère Branham. Si tu as Dieu en toi, tu verras Dieu partout. Amen. I do understand. If you are God in you, you see God everywhere. Aujourd'hui là, today, je peux m'arrêter regarder un avion. I may look, stand and stop and look a aircraft. Je regarde un moteur d'une voiture. Look a motor of the car. Ça là. I said, si c'est pas Dieu là, if you know God, besoin de là. We cannot do this. No. Est-ce que vous savez ça? Do you know it? C'est la divinité, mes frères. It's deity, my brother. Voiture. Car. Tous les petits trous là, au fil là, va passer yeah. ici. Ah, laissez. Remove it. C'est Dieu. Yes, God. Physician. Regarde ces grands gigantesques et les gros bateaux qui sont dans boats, la mer là. C'est Dieu. It's God. Amen. Amen. Qui va le dépasser? I will go qui up va up le over. Corriger? I will, go over. Et du coup, another time, c'est ce qui nous amène à l'aimer, à le respecter, and à l'adorer. Us, love him, amen. Worship. Et amen. À lui dire toujours merci, merci. And tell him, hey, every merci day. De nous donner thank un corps. Thank you to give us a pleasure. Pour savourer la nourriture. And to test on va quitter food. Bientôt ici là. We live it, chacun yeah. aura quelque chose à manger. Everybody et quand have tu manges, tu te sens bien. When you eat, tu sais you pourquoi tu good. Te sens bien? Why you feel good? C'est parce qu'il a créé quelque chose en toi pour que tu sentes bien. Because he creates something in you for you to taste good. Tu sais qu'il peut inverser les choses. You know, investing, il peut nous punir de plusieurs manières. He may punish us. Il peut seulement dire à la langue. He may just say to the test. Tout ce qui va être dessus là. All what will be upon this. Il faut sentir ça comme vraiment du caca. Smell like shit. Tu mets à checker, toi tu sens autre chose. You eat a checker, you smell something else. Quand tu goûtes la when viande you là, taste meat, tu sens du sable. You smell sand. Ah oui. Ce qui fait que tu sens, c'est que le oh, poisson là est doux. Hein? What make you feel, oh, là est doux. C'est parce que lui, il a dit à la langue que because ici, c'est bon, taste, ici, c'est pas bon. This is smell good. Vous ne savez pas qu'il a déterminé ça. You know, is this. Prenez le nez là. Take your nose. On dit, ça, c'est une bonne odeur. It's good odor. Ça, c'est faux sceptique. False. Et s'il est inversé? It was inversé. Si, il est inversé. Hein? Tu vas aller t'asseoir dans le faux sceptique. Amen. Amen. Dieu mérite. Hein? God deserves respect. Amen. 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 Il place les yeux sur l'homme. He put eyes pour regarder. To look. Il met le blanc. He put white. Il met noir dedans. Black. Il met un truc dedans. Something il met like le nez. Nose. Il met les oreilles. Yes. Amen. Amen. Et quand on sort dehors, when we come out, ça c'est un bel homme. Ça c'est beautiful man. Dieu est grand. God's great. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on doit être. It's the way it must be. Pourquoi tu es en colère? Why you hungry? Quand un homme est beau, c'est la gloire de Dieu, non? Une belle femme, c'est la gloire de Dieu. Beautiful woman, it's glory of God. C'est Dieu qui a créé ces choses. God created those Amen. Things. Amen.
Quelqu'un qui a sa belle voiture. Somebody with beautiful car. Dieu est grand. Yeah, God is great. Une voiture comme ça. A beautiful car. Amen. N'enviez rien. Ne rejetez pas les gens. No, reject people. Pour leur bien-être. For their well-being. Mais souhaitez le bien-être à tout le monde. Hope the well-being of everybody. Parce que toute l'humanité appartient à Dieu. And humanity belongs to God. Amen. Amen. Et ce qu'il va condamner et juger. What will condemn charge? C'est à cause de leur tête dure. Because of the stubbornness. Sinon, if not, si ce n'est qu'à lui, if it is Madonna, him, c'est sa fille. Madonna, his daughter. Jocelyn, ou bien qui là? Elton John. Elton John, c'est his son son. Fils, Michael. Michael son Jackson, fils. His son. Fally, son fils. Fally Poupa. Tous ces gens sont ses fils. All of them, Arafat. Zouk, Arafat, tous ces sont ses fils. His son. Mais pourquoi Dieu va dire bon, why God will say, vous, je vous mets dans le feu. I will put you in fire. Vous n'écoutez pas. Stubbornness. Parce qu'il dit mon fils. He say my son. This is. J'ai un ennemi. I am Satan. My enemy. Faites attention. Ne le servez pas. Don't serve Satan. Il me combat tous les jours. He's fighting toi maintenant tu as un père. Ton papa a un ennemi. L'ennemi l'a fait comme ça pour détruire ton père et son royaume. Mais toi tu vas t'affilier à l'ennemi de ton père. And you're going to be. Et tu veux que ton père puisse être content de toi, c'est and ça? Want your father to be happy of your naturellement, toi, tu feras ça. Naturally, hein? Mm. Vous, les mamans, you ta mommies, propre fille, your own daughter, signe un contrat avec ton pire ennemi. Make a promise with your own enemy. Hein? Et puis toi, tu dis ma fille bien-aimée. And say my daughter, my beloved daughter. Vous allez aimer ça? You love it? Un deuxième homme n'aurait pas pu venir. A second man could never deuxième come. Personne, a second person, no. Une troisième personne n'aurait a pas. Third person, no. Une quatrième, a fourth, no. Dieu lui-même est descendu. Came down. Le plus élevé réduit au plus bas, afin d'ôter les péchés. The most elevated came back down. Amen. So to remove the sin. Jésus c'est Dieu lui-même dans la chair. Jesus is Emmanuel, God himself in human flesh. L'antidote. Emmanuel, the antidote. Quand on dit ça, when he said so, on ne devient pas. We don't become. Croyant du message. Yeah. Believer the message. C'est pas ça. We're not this. Quand on lit le livre de Ruth, on ne devient pas le Moabite. When we read the book of Ruth, we don't become Moabites. Pas de sens. It's nonsense. Dans nos enseignements, in our teaching, il y a un temps on rentre en arrière. There's a time we go back. Pour fixer l'histoire. To fix the story. Ce que Dieu avait fait hier. What God did yesterday. Samson, and so forth. Mais on sait que ce temps-là est passé. We know the time passed by. On vit dans l'âge où Jésus a dit, je vais changer mon nom. We live in the time Jesus said, I'll change my name. Quand je vois un frère, when I see a brother, je lui prêche la parole. I preach him the word. C'est Jésus dans la Bible là. You know Jesus in the Bible. Aujourd'hui, ne s'appelle plus Jésus. You know that his name is not Jesus. Il a changé de nom. He has changed his name. Quel verset? Which verse? Donc le fait de lui dire hier il était Jésus, the way I'm saying, yes, il était Dieu dans la chair humaine, well, God in human flesh. Veut dire que non, je le ramène hier. Mean that I was sending donc, je l'apprends comment Dieu s'était manifesté hier. I'm teaching pour que cela l'aide à comprendre comment il s'est manifesté for aujourd'hui. Him to be amen. Manifest. Et Frère Branham dit, Branham said, si tu vas au bord de la rivière, by the riverside, tu trouves un vieux riverain assis. You find a old man there. Il fabrique peut-être son bateau. Making his nets or puis his il a un vieux marteau. With his old hammer. Qu'il a aidé à fabriquer les bateaux. That helped him to create his c'est déjà hammer. Vieux. His boat. Et quand tu arrives, old. Bonjour vieux père. And you come home, brother. Donc là, c'est comment ça? What is ton this? Marteau là est vieux. Your hammer is old. Oh. Hey, c'est sale. It's dirty. Oh. Faut jeter ça. Hey, sack it. C'est diabolique ton marteau. It's devilish your hammer. Abraham say, hey, il a blessé. You hurt him. Tu sais pourquoi? You know why? Tous ses enfants all his children ont étudié studied avec ses marteaux. With the hammer. Sa maison, his house, il a construit built up avec ses marteaux. With his hammer. Tout ce qu'il a all what comme he possesses, bateau, like c'est avec ses marteaux. With his hammer. Donc quand tu insultes ça, when you insult tu insultes sa vie, you insult his life, sa sueur, his sweat. Mais qu'est-ce que tu peux faire? What you can do? Quand tu arrives, when you come, bonjour vieux. Hello. Marteau là, fais your hammer. Ça c'est marteau là. This is hammer. Wow. Wow. Ça c'est marteau là. This is wow. Hammer. Yes. Yeah. Wow. This is a hammer. Wow. 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 Yeah. C'est vrai. Yes. Good. Maintenant, vieux. Hey, old man. Mais il paraît que
Le manteau-là devait changer. Armor must be changed. Quand on va voir tel signe apparaître dans les cieux. When you see this sign appear in the heavens. Tu sais ça, non? You know it. Tu n'as pas vu la ligne hier. You don't see the moon yesterday. Donc il paraît qu'il faut qu'on change le manteau. And let us change the hammer. C'est-à-dire si il est changé, if it's changed, il va doubler tout ce que tu as fait. It will double all what you did. Ouais, du coup, tu as attiré son attention. He called your attention. Donc il comprend que that, avec les nouveaux, the new hammer, il aura plus que tout ce qu'il avait avec lui. More than what he had yesterday. Mais quand toi tu viens, and now you came, sack it. Alors que toute la Bible lui dit, mais what, all the Bible c'est Jésus ou rien. Jesus or nothing. Branham est venu, Jésus, Jésus. Branham, Jesus. Quand tu viens, jette Jésus. Prends Branham, c'est hey, Branham, oui. Jésus n'est pas là, diable. Jésus, hey, diable. Tu vas comprendre quoi? You understand what? Comment il va comprendre? How you understand? Tu as quelqu'un? Tell somebody. Dieu est venu trois fois. God came three times. Première fois comme first time, like fire. Avec Moïse. With Moses. On appelle ça père. We call it father. Au-dessus de nous. Above us. Deuxième fois. Second time. Il est venu humain. Come like this. On appelle ça Jésus. God human Jesus. Emmanuel. Emmanuel. Il est mort à la croix. Dead to the cross. Vrai ou faux? True or false? Il va dire amen. Yes, parce que amen. Tout le monde croit ça, même les bouddhistes. Everyone believe, even Buddhists. Et il est rentré au ciel, non? Oui, yes. L'ascension. Tout le monde ascension. Fait ça. Everybody n'est-ce pas vrai? Isn't it? Mais est-ce que qu'il est revenu? You know, il a dit il va back. Revenir. He'll come back. Et il a donné même les signes. He gave even quand the vous sign. Verrez les signes, vous saurez qu'il est sur la terre. Sign, est-ce que tu as vu ces signes-là? Have you seen the sign? Ah bon? Oh. Venez, come, come. L'ONU, article, papa, papa. UNO, article this. Ah, lis le journal tel. Hey, read the RTI newspaper. A dit quoi tel jour? Hey, parce que les RTI informations information. Sur la seconde venue du Seigneur après sont à la time. RTI France 24 ah, France tous les jours ici. Hey. Amen. C'est pas à l'église, hein? In our church. C'est dans les journaux dehors. In the newspapers outside. Tu n'as pas vu que France 24 a dit ça? Have you seen France 24 a dit ça? RFI. Dans la Bible, on a dit que quand in the Bible, when Jésus dit que quand c'est ça là. When is this? Jésus déjà sur la terre. I'm already up on it. Ah bon? Hey. Mais il est où? Where is ah, it? Cherchons-le. Hey, let's search it. Est-ce que ça marche? Hey, amen. C'est simple. Simple. Et tu lui ajoutes un élément. And you had one element. Tu sais que si il vient, il n'aura plus le même nom. Hein. He said he will come, he will never et il ne sera pas à l'est. He will never west parce qu'il avait dit inside. Son retour là. Inside il va apparaître aux gens de l'ouest. Will appear to people of west pourquoi? Side. Why? À l'est, on l'a frappé. At east, on l'a rejeté. Yeah, flock. Vous voulez qu'il retourne encore là-bas? You want him to come back? Ah, oh. Même toi, tu ne le feras even pas. Do, est-ce do. Qu'on est ensemble? Yeah. Il faut changer de direction. But change direction. Amen. Amen. Donc, il est à l'ouest. East west side. Ouest même, c'est où? Where is west vous prenez side? Les cartes. We take le Lucifer occidental. Lucifer vous tombez west aux États-Unis d'Amérique. Find USA. Ah bon? Okay. Donc, so, si Jésus revient, if Jesus il sera un Américain. Et puis, un Américain. Après les gens disent yes. Non. Yeah, because, no. Et la première venue, il était juif. The first time he was the Jew. Pourquoi il ne peut pas revenir comme Américain? Why he cannot come pourquoi back injustice? Why injustice? Qui a dit qu'il peut seulement être juif why et non Américain? Why he must be only two, but qui no a dit que who said that? Jésus peut être seulement Jésus de Nazareth. Jesus must be only Jesus of Nazareth. Et non de Jeffersonville. And not of Jeffersonville. Yes. Ouais. Yeah. Ça va pour aujourd'hui. Amen. 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 On va terminer le mercredi. We finish on Wednesday. Amen. 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 Pour se rappeler que la mort existe, nous on chante la résurrection. We sing resurrection. Matin de la résurrection, la trompette de Dieu sonnera. Amen. 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 C'est le numéro combien? Numéro 14. Matin de la résurrection, la trompette de Dieu sonnera. Bon, avec nos mains, avec nos voix, on peut exprimer l'amour à Dieu au moyen des chants, de l'adoration.
m'atteindra résurrection, la trompette sonnera. Ça c'est haut ou bien c'est... Ça c'est haut. C'est haut. Bien c'est... M'atteindra résurrection, la trompette.
te remercions, Seigneur, pour ta parole, pour ta grâce qui nous a permis d'être hors les Babylones, hors les mondes, hors la confusion. Laisse que cette parole que nous avons écoutée trouve une place dans notre cœur. Et chaque jour qui passe, que nous puissions plus te ressembler et nous rapprocher de toi. Bénis ton peuple, bénis cette semaine, ô Dieu, et encore une fois, que nous puissions faire un pas vers toi. Tout celui qui a marqué présence ici, les cœurs est rempli de besoins, et toi qui connais les besoins de nos cœurs, laisse que tu sois une réponse favorable. Nous remettons entre tes mains, comme des agneaux et de ta bergerie, et nous t'appartenons parce que tu es notre guide. Nous croyons toute ta parole et laisse encore que ce nom merveilleux révélé dans les tonneurs que nous avons vu écrit, William Mahon Branham, qui est le royaume dans lequel nous sommes nés sans le secours d'aucune main, ni la volonté d'un homme, que cela puisse remplir nos cœurs, nous rendre joyeux, nous donner la guérison et nous faire vivre au-dessus du péché, parce que nous voulons cela, Seigneur. Que la gloire te revienne ainsi pour toute l'éternité. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Nous avons fini pour aujourd'hui. Nous allons avoir une réunion de huissiers tout à l'heure, à partir de 14h ici, et pour voir un peu nos différents dossiers, et aussi pour le samedi prochain, comme nous vous avons invité à notre manifestation des 5G. Mais peut-être on va changer en 4G. Très bien. On garde 5G, on met 4G. Un c'est écho. 5 c'est bon. 7. Parce qu'à un moment, les gens ne croient pas dans l'âge là. Donc comme les gens ne croient pas, on met 4G. Là, je laisse Fred Dion seul derrière. Donc, nous allons parler de ça aussi tout à l'heure. Frère Mathias, on vous attend samedi. Hein. Donc, nos amis ici, il y a Frère Brois qui m'avait écrit. Il est à l'intérieur avec toute la famille. Si vous ne le voyez pas à l'église, c'est ça. Là, à l'intérieur. Donc, nous prions pour eux. Il a un projet de chant, c'est pourquoi il est à l'intérieur. Maintenant, nos membres, nous ne les donnons pas les cartes d'invitation. Ils peuvent venir, chose. Mais nos voisins, si tu connais quelqu'un que tu veux inviter et que tu penses qu'il faut lui donner carte, vous avez le droit. Par exemple, quelqu'un comme Frère Julien, il peut inviter quelqu'un. Sœur Christelle, c'est eux-mêmes qui sont les organisatrices avec ses sœurs Hop, tout ça. Donc, vous pouvez inviter deux, trois personnes. En tout cas, c'est vous-même qui connaissez la cuisine. Donc, le nombre de vos invités, moi, je ne gère pas ça. Vous voyez, donc, ça, au moins, tu ne vas pas manquer. Hein? Donc, il faut faire de sorte que les remplaçants au travail puissent choses. Donc, samedi, les liens là, vous pouvez voir avec Frère Patrick. Si vous êtes à la 7e tranche, précisément au niveau de la station Shell, il y avait une ancienne station. Ils ont construit la nouvelle station juste en face de l'ancienne. Quand vous êtes du côté de la nouvelle station,
vous tournez le dos à la station, pas sur la voie du 7e tranche, mais sur la voie, parce que la station est dans les coins, n'est-ce pas? Voilà, donc vous tournez le dos à la station et vous serez exactement dans cette position. 7e tranche passe comme ça, la station est ici. La station maintenant est à ta gauche. La voie qui descend vers ton quartier, là souvent, Zinsou. La voie là va vers Zinsou là-bas. Quand tu continues avec ça, tu peux courber pour rejoindre le pont Soro. Voilà. Donc maintenant, la voie là, tu laisses Shell. Dès que tu prends la voie, premier croisement, c'est l'avenue là, à droite. Quand vous la prenez à droite, vous marchez dedans, vous allez voir Clinique La Colombe. Ça y est, dans la voie là. Vous allez voir Service de ministère maritime ou quoi là? C'est ça, non? Service maritime, gestion maritime, quelque chose. Voilà. Ça y est aussi dans la même rue là. Il y a aussi une résidence. Si c'est Bachalot ou quelque chose, HM Bach, toujours dans la même rue là. Maintenant, quand vous êtes déjà devant la résidence HM Bach, directement c'est la villa en face. La villa a des couleurs noires, grises comme ça. Et puis, porte le numéro 1000, 1 avec 3 zéros. C'est cette villa là. Si vous foncez un peu seulement, vous arrivez dans la deuxième rue qui croise qui te croise sur ton chemin, et là tu seras devant le restaurant africain. Il y a un grand restaurant africain avec pain en noir et tout ça. Donc avant, vous n'arriverez pas là-bas. Souvenez-vous, la villa est à votre droite quand vous quittez dans la direction de la station Shell, comme on a indiqué. Shell, droite. Villa est à droite. Si tu quittes vers Atoban, sur la même voie. Parce que la voie là sort jusqu'à la voie devant la saut des cides d'Atoban. Voilà. Ça sort directement là-bas. Donc voilà un peu l'indication sur les liens. On est encore en direct. Hein? Mais toutes les adresses là, vraiment. On est encore. Donc voilà un peu. Mais le dimanche, je pourrais donner mes témoignages et exprimer ma joie pour les cadeaux que j'ai déjà commencé à recevoir. Donc, la seule chose que je comprends, c'est que, en tout cas, je me sens vraiment que je suis quand même un être aimé, parce qu'on est aimé. Hein. Vous savez, quand on est aimé, ça fait bien. Amen. Je suis vraiment aimé. Et ça me fait tellement du bien. Et ça nous demande vraiment à beaucoup se concentrer et donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'on soit des vrais instruments de Dieu, de telle sorte que tu puisses par toi faire que l'homme et Dieu puissent coopérer, s'unir, et que les enfants de Dieu trouvent ce qu'ils ont besoin. Ah, amen. Donc voilà un peu l'adresse. Nous commençons l'accueil à 14h, parce que les cérémonies c'est entre 14h et 18h. Après 18h, c'est un peu de divers. Nous avons trois frères qui viennent du Ghana, quatre du Togo. Frère révérend José ne pourra plus venir parce qu'il n'y a pas vol, dans les vols, il n'y a pas place ces dates-là. C'est la haute saison, donc ça ne joue pas. C'est pourquoi la convention de l'autre côté, on est censé se démener pour régler l'affaire des billets. Sinon, vous pouvez arriver, on vous dit qu'il n'y a plus place. Donc, cela étant, les amis qui vont venir vont être logés aussi dans la même villa parce qu'on a coopéré avec les propriétaires, ça sera ainsi. C'est une villa qui a pris 4-5 chambres, des choses comme ça. On va les dispatcher dedans. Et les volumes seront un peu réglés parce que c'est Cocody. Cocody, c'est pas ce n'est pas si décis. Voilà. Cocody, il faut un peu de réglage. Donc, quand on va mener là-bas, mais pas de trop de baffles, ça ne sert à rien. Si c'est un là, une ou là, ça peut suffire. Et volume, souvenez-vous, régler normal. Pas trop tapage, ce n'est pas kilt.
ça ne sera pas l'équipe, c'est juste retrouvailles de communion fraternelle pour dire à Dieu merci avec tous ceux qui fêtent ce mois de juin d'une manière ou d'une autre. Le reste des détails, être habillé en blanc, ça vous devez traiter avec ses Christelle. C'est elle qui est chef. Si elle a dit blanc. Si elle dit mélanger, ou bien. Donc, il faut l'avoir après quitte. Vous allez vous attendre. Mais au reste, voilà un peu ce qu'on pouvait dire pour ça. Les mercredis, nous allons être ensemble. Les dimanches aussi. Et le début de la semaine, là, nous allons prendre congé de notre temps ici pour aller avec les amis à Accra, où on peut avoir des jours de réunion, puis arriver à Lomé, où on aura aussi quelques jours de réunion, jusque même à Cotonou, puis revenir avant d'aller dans les troubles. Dans les troubles de doctrine. Donc, voilà un peu. Je crois que je serai avec Frère Marion. C'est déjà à 80%, ok, voire même 100%. Donc, seulement c'est un voyage qui coûte très cher. On va bien respirer. Non, mais au reste, nous remettons tout entre les mains du Seigneur. Donc, nous disons merci à vous tous. Je salue ma soeur qui est l'invitée de Sœur Hope. Je peux dire, soyez la bienvenue, mais c'est la fin. Je pense que nous restons toujours ouverts à vous recevoir, vous revoir encore. Et toutes les questions sur notre doctrine sont les bienvenues pour être répondues. Et pourquoi pas participer aussi à notre fête le samedi. Ma sœur aussi, soyez la bienvenue et que le Seigneur te bénisse richement. Nous avons été contents d'adorer avec vous. Nous avons baptisé Frère Jamy dans la semaine. Je me suis dit qu'il a allongé la liste des célibataires dans l'église. Mais aujourd'hui, il n'est pas là. Je pense qu'il peut être empêché. Mais il n'est plus l'ami de Frère Abiku. Il n'est plus notre maçon qui nous a fait du bon boulot ici, tout comme à Angers, non? Aujourd'hui, il est le fils du royaume. C'est votre brother. Amen. Au reste, que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous le mercredi. Et pour les autres, nous nous revoyons le samedi. Et j'ai causé avec Frère Eli pour les gens qui ne pourront pas être là le samedi. Surtout les visiteurs que nous allons inviter dans le culte de dimanche, qui est un culte évangélique, qui aura un sujet évangélique, parce que notre enseignement ici finit mercredi. Alors, nous avons dit, chacun de nous vient avec son invité, parce que notre église est évangélique, n'est-ce pas? Et nous sommes nouveaux, tout comme à Yopougon, tout ça. On doit toujours répandre ce qu'on a entendu et inviter les autres. Donc, ensemble avec les amis qui viennent, les visiteurs qui viennent, vous comprenez déjà que quand nous avons les visiteurs, nous allons un peu nous sacrifier. Parce que ce n'est plus juste une fête, mais ça devient aussi une réunion évangélique, mais d'un jour. Par conséquent, nous allons nous inviter et le dimanche après quitte, comme Frère Élie, ça sera le jour de son anniversaire. Donc, c'est le 16 aussi. Donc, du coup, on se convient avec lui pour qu'on puisse gérer certains enfants et certains visiteurs après quittent le dimanche pour qu'on leur donne au moins un sandwich, même fait avec pain et une canette. Voilà, donc ça, c'est le dimanche après quittent. Voilà ce qu'on pouvait dire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Allez dans la paix du Seigneur après l'adoration des sœurs Ella. Que le Seigneur vous bénisse.
tout à coup.